Non, allez. Du tout. Est-ce que les dialogues ont été patchés? En tout cas, public cherche toujours à rejoindre la session. Hein. Je refuse à chaque fois, hein, parce que vraiment, il n'y a rien à faire là, public. De toute façon, on va vite savoir. Hein. Colin va lancer un dialogue. Le jeu va s'arrêter. Ah oui, du coup, on est allé revoir la Tiefling pour lui dire que ses parents étaient morts. C'est la dernière chose qu'on avait fait. C'est vrai, c'est vrai. Et je me souviens que tu étais particulièrement très content de le faire. Et on a... Non mais, non. Alors, j'étais content de poursuivre la quête que j'avais commencé. J'étais très content. De RP. Tes parents sont morts. Comment ça t'es triste? Je comprends pas. Comment ça tu pleures? Bizarre. Bizarre la gamine. Les gamins sont morts maintenant. Putain. Pourquoi je suis pas full vie alors qu'on se vient de se reposer? Mais je crois qu'on s'était pas reposé. Non, on vient pas de se reposer, on vient juste de level up. Aller voir à Tiefling, hein. Mais on a tout non, parce qu'en fait j'ai tout, et je pose que ça comme question, parce que j'ai tous mes slots de spell up. Non, moi je les ai pas tous up, c'est juste que. Bork. Oui. C'est juste que t'as pas joué à l'économie. Par contre, tu es mort récemment et du coup tu n'as plus de Long Strider. Ah, ça non, mais ça, je l'avais pas eu depuis la dernière fois. Voilà, et puis du coup on en était où dans cette histoire là, hein? C'est terrible quand on joue qu'une fois par semaine, c'est qu'on sait plus où est-ce qu'on en est. Moi je quitte le camp. On avait trouvé une statue, on avait trouvé ah oui, le docteur. Oui, le fameux. Le docteur qui s'était on fait rétamer le docteur. Planter la gueule. On était juste sortis. Devant une morgue aussi. Ah oui, on était devant la grotte, devant la morgue. Ah oui, ah parce oui, qu'on cherchait le mausolée des méchants. Il y avait un truc pendant que vous étiez en train de vous entretuer. Mais attendez. C'est sur l'autre fois, il y avait un endroit où on n'avait pas encore exploré dans la morgue. Bah oui. Dans la morgue, là, en face de nous. Attends, t'es où là, Auron, là? Bah juste là. Je suis dedans. Non, moi je suis dans l'hôpital. Ah bon? Non, il y avait un truc dans l'hôpital qu'on n'avait pas encore exploré. Non, mais si c'est juste une pièce, c'est pas grave, non? Si après. Il y avait attends. On avait retrouvé le loot aussi qu'on potentiellement on aurait pu on le ramènera après. Ah oui, il y avait un ascenseur carrément. Ouais, et avec une porte fermée. Bibliothèque et registre. Ouais, mais c'est, y a rien d'intéressant dans une... y a jamais rien d'intéressant dans une bibliothèque, y'a que des livres. Ah si, dans les bibliothèques y a les parchemins. Et y'a que des livres, ça sert à rien les livres. Déjà qu'on doit payer 4€ pour se les faire livrer par Amazon. Ah oui. J'avoue, hein. Livrer tes livres par Amazon, toi, c'est pas bien. Non, bah non. Coffre orné de dorures. J'ai autre chose à foutre que de faire livrer mes livres par Amazon. Moi, tous mes bouquins passent, tous mes achats de mangas, c'est par Amazon, hein. Tous, hein. Sans exception. Hein. Et il y a des coffres à ouvrir. Bien sûr. Oh, un joli coffre. Crocheté. Ouais, il y en a un deuxième juste à côté. J'ai plus que deux outils de voleur, donc. Ah, j'ai trouvé la clé de la bibliothèque. Alors, tu dis par rapport à la porte que j'ai. Sport accélérant. Ah, t'as tout pris? Ah, d'accord. Oui, bah, c'était rien de bien intéressant. C'était des composants d'alchimie et des trucs à vendre. Je te laisse le contenu du deuxième. Ok. Ça, tu seras content. Hop. Ah, ok, c'est bon. Ça passe tranquille. Tiens. Oui, on va voir. Ah, il y a plus de gold. Et un parchemin pour Grima. Et. Parchemin de terreur, Grima, t'en as besoin? Oh, oui, donnez-moi tout. Vas-y, je te mets dans ton inventaire. Merci. Alors moi je suis en train de me balader sur les toits. Bon. Et alors tu trouves des coffres? Non, des cadavres de deux personnes qui sont bras dessus, bras dessous. Stylé. Ah, il y a un livre de poésie à côté. Y'a trop de trucs, Grima. Ah, Grima, on peut plus jeter des trucs dans son inventaire. Tu peux juste faire. Tu peux aller sur l'objet et faire clic droit, Grima. Ah, ouais. Bien vu. Ça marche pas mal. Mais d'ailleurs, Bjorn, tiens. Quoi? Mais vas-y, va me jeter des trucs dans mon inventaire encore là. Clic droit. Bjorn, trois outils de crochetage. Ah, merci! Merci, merci! Est-ce que l'un de vous joue avec du poison? Pas du tout, personne ne joue avec du poison. Bah moi je mets sur mon arme. Est-ce que tu veux une cape du coup? Cape de dérivation, lorsque vous empoisonnez un adversaire, vous soignez également un des 4 de points de vie. Vous avez descendu le... Tiens, je le ramène. L'ascenseur, tu peux le rappeler, hein. Bon, je t'envoie une cape. Bah non.
Non, non, moi je peux pas le rappeler, je peux pas le rappeler si, moi. Si, un bouton en haut. Mais j'essaye mais ça marche pas. Non, non, mais attends, je peux sauter, c'est bon. En fait. Oui, mais j'aimerais bien descendre de toute façon. Ne sautez pas dans la cage d'ascenseur. Bon bah on va. Vous pourriez vous faire très mal. On va devoir faire hein. Non. On peut utiliser une racine pour descendre. Que quoi ça sert d'être revenu ici là? C'est très bien mais c'est pour un archer peut-être. Ah bah celui avait des peines dessus. J'ai ouvert une porte et il y a eu des bruits. Ah. Et je suis t'es dans un cimetière. Où es-tu? Pas loin à côté du bâtiment. Non mais y a rien. Ah oui on est pas passé par là. Je me trimballe seul dans une allée et rien ne peut m'arriver. Alors attendez parce que moi du coup je suis toujours dans la bibliothèque. Oh une porte en chaîne déjà. J'ai piqué la clé à Belza. Cool. Ah mais c'est là qu'il y avait le bon c'est juste là où on a tué le médecin. Ah, super. Rien d'intéressant. Bon allons vers le mausolée là vers la morgue. J'arrive. Allons vers la mort. La mort que. Enfin, j'arrive, mais ça fonctionne plus. Ah, attends, je. C'est quoi ça? Pour descendre, moi, du coup, maintenant, si le bouton ne fonctionne plus. Oh. Quoi? D'accord. Oh non. Je déteste ce bug. Ils l'ont toujours pas fixé, celui-là. La porte? Si, si. Ah non, non. Bah si c'est du game design intentionnel c'est nul. Voilà bah, sachez-le. Oui. Oh, putain quel truc j'ai vu l'autre jour là d'ailleurs à propos de. J'ai repensé à toi Colin. Parce que je sais plus ce que j'ai vu comme talk. Oui. Bah je regardais les trucs de Slay the Spire ou je sais pas quoi, justement. Pourquoi est-ce que leur jeu avait bien marché, etc. machin. Et ils disaient l'un des points qui a bien réussi, c'est que nos jeux étaient tout pourris en termes de PEF. On pouvait tourner sur tous les PC. Et c'était extrêmement populaire auprès des gens parce qu'ils pouvaient juste se permettre d'acheter le jeu et de lancer le jeu sans réfléchir. Et ils avaient eu notamment plein de gens. Ils avaient dû réduire la résolution de base du jeu et le nombre de FPS de base du jeu parce que leur cible moyenne. C'était des gens avec des PC pourris. Voilà. Ouais. Et j'étais là en mode ah ah et toc. Bien fait pour les gens qui jouent en max FPS 4K et tout mon cul là. Voilà. Et c'est ce que je fais comme ça, avec la morgue. Call of the Mist. Mais et tu as totalement raison. Et tous les autres devs ont tort. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, quoi? Tout va bien, Bjorn? Alors, j'ai l'impression que tu t'es un peu énervé. Tout va bien. Non, voilà, et du coup, ça m'avait fait penser à ça. J'étais en mode bah, c'est marrant. Voilà. Ah! Oh, il y a un bouton! Il y a un bouton? Ah bah. Ouais, ce mur était étrange! Et forcément, Rima appuie sur le bouton. Il y a un cadavre calciné. Oh, trop cool! Ah, c'est moi qui loot! On est déjà allé dans. Ah, des tentacules noirs d'Evar! Bonjour! Ah, mais arrête de résumer! Mais pourquoi tu l'as? Ah oui d'accord, ça y est Grima. Mais il avait une goule. Elle est passée où ta goule? Grima, ah merde, donc 9. Je peux pas le faire au niveau 3 et au niveau 5 en même temps. Ok, Grima... dommage. Grima est niveau 9, Grima a découvert Invocation des morts vivants. C'est terminé. Mais non, c'est pas l'anneau que je t'ai passé? Non, oh, non, non, putain. C'est un spell Heureusement j'ai eu le temps de looter son truc. Augmente les tests de tromperie ça de niveau 1. De 1 niveau. Est-ce que quelqu'un veut un anneau qui va lui donner un peu plus de charisme? Auron, tu veux rajouter certains... Tu sais, j'en ai pas besoin, j'ai déjà tellement... Est-ce que tu veux rajouter une petite corde à ton arme de diplomatie? Il y a... Parce que y a par exemple... Il y a bestioles dans la morgue. Hein. Tes attaques de tonnerre, t'en as pas. Donc l'anneau que je vais te donner peut être intéressant pour toi. Attendez, j'arrive. C'est bon, j'ai augmenté les skills de diplomatie d'Auron. Oui. Parfait. Maintenant, Auron connaît également la tromperie. Même si ce n'est pas la voie du barbare, Auron pourra désormais être un filou. Ouais. Par contre, je vais enlever quoi la place en... Bah, le truc qui fait des dégâts sur tes trucs de tonnerre, tu t'en fous, non? T'as pas de dégâts de tonnerre. De rien, à votre service. c'est l'anneau de force de l'absolu, hein, c'est ça? Probablement. Alors, techniquement, il a des dégâts de tonnerre. Il a des dégâts de tonnerre comment? Bah ils ont la vague tonnante. C'est il ça. A pas la vague tonnante? Bah si il est sur l'item. Ouais. Hein? Vague tonnante, sort d'évocation de niveau 1. C'est un spell qu'il a. Pourquoi t'as une vague tonnante? 2d8. Hein? Bah parce que l'anneau te donne le spell. C'est ça.
Ah, ah oui, mais ça te donne un spell, mais tu t'en fous, toi t'es là. Non, mais je pense que je vais juste enlever le machin qui me permet de voir jusqu'à 12 mètres dans le. De toute façon, c'est vous qui êtes mes yeux. C'est vrai. Allez, bah on y va, hein. Bah oui, hein. Ah putain. Ça va déclencher des pièges là. Un zombie. Alors, ah pourquoi il y a du caca partout là? Pourquoi il y a du poison? Du poison. Mais moi je suis pas empoisonné, moi je peux pas être empoisonné. Lacération sur zombie supérieur, pourquoi ça marche pas? Ah non, c'est juste qu'on fait du déplacement en terrain difficile, d'accord, ok. Posez le feu. Comment ça il fait pas péter le nuage? Ah désolé Ron. Vas-y, il lui reste des points de vie. T'inquiète. Non, c'est juste que je voulais me mettre au cac. T'as mis mon tour comme ça, si jamais il y a une réaction. Faire. Mais il est mort. Ouais, là malheureusement pour lui, je pense que c'est pas de chance, mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé non plus. Trop foiré, ouais, je pense. Même personne ne sait, je pense. Ignis. Ah putain, je bois. Allez, j'ai un litre d'eau à côté de moi, je vais avoir envie de faire pipi avant la fin du stream. Pareil. Mais je vais remplir ma gourde d'ailleurs. Par contre Grima, est-ce que tu veux bien augmenter tes APM s'il te plaît, parce que tu as trop d'invocations et du coup c'est trop lent. Je fais ce que je peux. Oh là là. Bon bah moi je vais retourner sur Unity hein. C'est un CRPG, pas un tactical, ok. Heureux. Oh mais c'est juste mis à mon cac lui. Merci. Ouais beaucoup. Mais il se met juste à ton cac. Oh! Ah merde! Vous êtes vraiment jeté dessus comme des morts de faim. Ah non, moi j'ai attendu que vous jouiez pour savoir. Je vous laisse. Putain, il va pas crever, tu vas voir qu'il va pas crever, hein! Bordel! Il va avoir le temps de mettre un coup sur quelqu'un, ça va être sur moi, ça va m'énerver. Je me suis dépêché. J'ai vu les APM. Les APM de folie. Il revient en plus. Ah là. Ah non. Non, il est pas revenu. Il revient que dalle, hein. Il revient que dalle. Bah, je sais pas, il avait écrit robustesse de la non-mort quand il avait un point de vie et revenait. Ouais, ah, il y a une porte. Il y a du poison. Attends, je peux la pickpocket. Attends, faites pas péter le poison. C'est bon, vous pouvez faire péter le poison. Oh, il y a un ménestrel mort dedans. Bonjour. On rentre vraiment là-dedans, là? Bah, pourquoi pas. Un coffre lourd? Accroche-toi, je m'en occupe. Il y a une clé sur le ménestrel. Il y a des journaux et des notes de recherche. Je peux avoir un petit coup de pouce, s'il te plaît, Colin? Alors, note de recherche. Un coffre à 14, donc je suis juste à côté du coffre. L'assistance, tiens. Je sais pas si ça va compter pour mon jet, je le vois pas apparaître. Ah bah non, parce que fallait okay. Ah putain, ok, bon bah dommage. Ok, alors. Sort, disparition de la malédiction des ombres. Est-ce envisageable? Une variante de délivrance des malédictions, dissipation de la magie ou autre? Oh. Incantation. Umbra resuscite, sans effet. Nox Axetus, sans effet. Nox Fit, Lux, potentiel à creuser. Nox Fit, mais moi j'ai réussi. Potentiel à creuser. Vita in, t'as réussi voilà, sans effet. Vita Cava, conséquence imprévue. Non mais tu saoules. Armure vivante. Putain, je fais des 4e au secours, j'en ai pas passé. J'en ai pas passé. J'ai pensé que je l'ai ouvert, c'est pas de ma faute. Allez, vas-y, ça m'a cassé les couilles là. Alors, il y avait quoi dedans? Un vêtement. Une robe pour Grima. Le non, porteur gagne une charge arcanie chaque fois qu'il est touché par une attaque de corps à corps. Quand l'entité est menacée, elle bénéficie de plus 2 de bonus aux dégâts des sorts.
Et ça se stack ou pas ça? Ça a l'air d'être fort pour ton truc Agrima là. Non. Par contre j'ai vraiment niqué 4 outils de voleur quoi. Bah bravo. Super. Alors fallait juste me demander en fait. Oh putain, ça va casser les couilles. Allez, je vais ouvrir cette porte là. First try incoming. Il y a un levier. Non mais... Hop là, voilà, j'ai plus de... Attends, non mais attendez, on va dans deux salles différentes. Ah. Ah oui, effectivement. Vas-y, j'appuie sur le levier. Et j'avais la clé de cette porte là, Non, mais t'inquiète. Moi je suis... Vous avez essayé de l'ouvrir avant de la crocheter? Non, ça ne marche pas. Ok. Et c'est un jet, là, c'est un jet à 31, donc je pense qu'il va me falloir des buffs. Ah, je peux pas... Non, c'est... Je peux pas la casser. Mais il doit y avoir plus tard. C'est sympa ici. Ouais. Ouais, ouais, le petit labo sympathique. Ah, ouais. Perception un peu raté. Partout, ouais. Raté aussi, zut. Tout le monde a raté? Ouais. Non, ici, ah. Oh, ici, oh. Ici, de quoi? Là. Vas-y, avance un petit peu. Voilà. Ah oui. Ah, désamorcé, laissez-moi faire, je sais faire. Je m'en sors super bien. Et voilà, first try. Non, ça va, j'avais niqué assez de karma jusqu'à maintenant là. Il y avait quoi dedans? Porteur ne peut pas être aveuglé. Hop là, c'est pour moi. Je sais pas du tout. Ah bah c'est bon, maintenant je peux balancer des gros darkness. Ah mais oui, y avait pas quelqu'un qui voulait jouer un gros build darkness là? Ah, encore une perception? Ouais. Bah, Non, moi j'ai déjà raté celui-là. On les a tous ratés de toute façon. Ah, ça doit être rigolo. Je suis chirurgien. Ça doit être rigolo, ça de jouer un bon gros build bien darkness là. Bon, comment on j'ai découvert cette porte un peu tard quand je faisais guerre, on me compliquait inutilement la vie. Cette fastidieuse batterie d'expérience chimique au combien complexe était tout à fait superflue. Où diable suis-je donc allé chercher tout ça? J'aurais dû penser tout de suite à me tourner vers ce que la nature a créé de plus parfait. Par chance, mes recherches m'ont permis de dénicher la carapace du charognard rampant. Elle contient un agent paralysant si puissant qu'il me faut prendre garde de ne pas en respirer les vapeurs pendant le processus de raffinage, de crainte de m'endormir sur mon point de travail. D'accord. Bon, comment est-ce qu'on réussit un jet de poison? Ah merde! J'ai fait 28! Et tu veux que je te mette une charge? De machin là, je peux ou pas? Charge de quoi? Je peux te mettre une charge de barde ou pas? Non. Non, ça j'aurais pu le mettre sur moi sinon. Les inspirations de barde, tu peux te mettre sur toi-même? Mais non, t'as pas le droit. Est-ce qu'il y aurait pas d'enlever toute cette tout ce nuage de fumée de empoisonné? Est-ce que tu veux que j'ouvre Velza? Oui. Attendez, il y a un truc de notre environnement qu'on a raté là. Voilà, c'est ouvert. Mais c'est abusé ton truc! Du quoi? Bah, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Parce qu'on en a jamais besoin, vous avez 15 000 outils là, ça vous amuse. J'en ai plus moi des outils, j'ai plus rien! Oui, c'est le stylé. Stick là-dessous. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un te pousse au rond? Bah, je meurs, je pense, hein. Bah, attends, on va voir. Non. Il est trop lourd. Il y a un saut à faire par contre, si tu nous buffes. Alors je peux sauter, c'est envisageable. Oh, on peut aussi faire un petit featherfall là pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais il y a des trucs en face surtout. Exactement. Il y a un coffre là notamment. Oui, ah oui. Genre si tu me buffes Grima, je shotgun le coffre quoi, par exemple. Tiens. Là. Yep. Oh non, il est plein de... Je peux pas le crocheter, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'outils, quelqu'un me donne un outil. J'ai plus rien moi. Je sais pas. J'ai un outil de désamorçage. Oh, il reste outil un. De désamorçage de piège. C'est putain, tout. Il faut qu'on achète un outil. Comment ça se fait qu'on ait plus qu'un seul outil de voleur? Je t'en ai donné 6. Merci, mais comment ça se fait qu'on ait plus d'outils de voleur? Parce que c'est Grima qui les stocke. Ah putain. Mais je les stocke pas. Je vous ai juste pas encore donné ceux que j'ai trouvés. Du coup, tu m'as mis Featherfall. Oh, une cape! Cap de ronge chair. Chaque fois qu'une créature inflige des dégâts au corps à corps au porteur, elle subit un 4 points de dégâts. D'acide? Ah oui, c'est pour renvoyer des dégâts de corps à corps. Ah! Bonjour. T'es en combat.
Non, ah, j'arrive. T'es en combat avec quoi? J'arrive. Avec une armure vide. Wouhou. Moi, il y a écrit mort si je saute. Il est où? Mais c'est parce que t'as pas Featherfall. Ah, je me suis j'ai confondu avec ton squelette. C'est le teint blafard, ça. Oh putain. Ah ouais. Qui pop juste ah à ouais. Côté du boss. Ah ouais, ça lâche des trucs comme ça, quoi. Moi, je vais m'occuper des limons, je pense. Mais excusez-moi, je vais m'occuper des limons, je pense. Ah non, raté, c'est nul. Ils sont pas résistants à tout, eux? Non, ils sont résistants au tranchant, très bien. Allez, pif paf. Hop. Ça me fume tous les compagnons qui tombent petit à petit. Bon, ce limon là, il est plus beaucoup en vie. Si vous voulez le fumer. Et bon. Il est dead. GG. Aïe! Il s'est claqué tous les deux. On va pouvoir faire un petit repos court après. Oh, quoique, on aura peut-être pas perdu beaucoup de points de vie. Ah ouais! Oh, ah oui! D'accord. Confère résistance au type de dégâts nécrotiques. Merde, je suis con, c'est tranchant ça. Je suis con, c'est tranchant. Pourquoi je me suis mis au corps à corps avec deux épées? Au corps à corps de ce bousin. Quel débile! Est-ce que vous avez besoin de moi pour les tuer? Je pense pas, hein. Bah, tu peux essayer de... Ouais, bah, participe quand même. Après, il y a un truc aussi, là. Il y a une ombre. Elle est où, l'ombre? Où c'est l'ombre? Bah, je sais pas. Je la trouve on pas. On sait pas. Ah, elle est cachée, on la connasse. Pas. Ah. Tu peux faire une attaque au pif dans le vide, Ron, si tu veux. Bah, moi, je veux bien, effectivement, mais où? Bah, au pif dans le vide. C'est le principe, hein. J'ai poussé là. Non, je peux pas pousser là. Non, bon. Non. Je vais faire ça. J'ai mis la toxine sur mon arme. Magnifique. C'est pas sûr que les fantômes se soient très sensibles aux toxines, mais... Non, mais laisse-moi dans le déni, s'il te plaît. C'est plutôt résistant à l'acide. Et immunisé contre les dégâts de l'armure. Oh non, ma force! Qu'est-ce que je viens pouvoir faire? Ah, mais c'est vraiment enfui là? Non, mais elle est par là, et moi j'ai la magie de la cendre. Ah, stylé. Ça fait un peu Elden Ring, la magie de la cendre, un peu. Ah bon bah. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans notre trou là? Maintenant, faut remonter. On remonte? Vous avez looté les limons? Non, je m'en occupe. Après, c'est de la vase putride, y'a rien dedans. Hein. Bah, je sais pas moi. Non, il y a vraiment rien dedans. Y a autre chose à faire. Pas trop envie. Non, mais on peut remonter en fait. En remontant, ça nous amène à d'autres endroits, bon, je crois. Je crois que j'avais vu que l'architecture de la pièce faisait que. Enfin, l'architecture. Et vous remontez par où? Je comprends pas. J'avais vu une spirale pour remonter, un escalier en spirale, mais un colimaçon plutôt. Ah bon, moi je suis en haut, moi. Ouais, voilà, bah Colline a trouvé et elle a décidé de nous laisser patauger en bas, merde quoi. Je clique, c'est pas grave, clique, hein, c'est... Voilà. Je clique. Ah oui, voilà, je bah, voilà. Clique. Bah oui, bah c'est bon, ça va, ça va. Oh là là, déjà encore l'utilisation en plus. L'ambiance. Oh là là, l'ambiance est délétère. Délétère. Oh là là!
Oh là là. Et du coup, on est d'accord, ça nous amène à un endroit différent. J'avais bien vu. Oui, c'était en face. Ouais, c'est ça. Du coup, on pourra pas revenir en arrière. J'ai sorti une torche. Vous pouvez me suivre, c'est bon. Attendez. C'est que vous allumer si tu veux. Je reste devant. Moi, je l'allume. Oh, crevasse inquiétante. Oh, j'ai cliqué. Moi aussi, j'ai cliqué. J'ai cliqué. Tout le monde a cliqué. Salut Gerder, comment tu vas? Salut Gerder. Alors. Oh, il y a une petite cabine mignonne là. Mais on est de retour à côté de l'auberge. Ouais. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Mais on est de l'autre côté. Bah c'est cool. C'est pas très inquiétant du coup. Ah, tout le monde a raté sa perception. On va se prendre une... Voilà. Auron, j'ai une question. Ouais. Ah, c'était tellement garanti. À quel point tu m'en veux si tu as des decks qui tournent autour de toi? Beaucoup quand même. Ah, parce que là quand même Auron, si je puis me permettre, les fire coups au toit maudit, il y en a 5. Ah, il y en a 4. Élimination des faibles. Ah, il y en a 3. Non, il y en a 4, il en a tué qu'un seul. Ah non, il en a tué 2. Il y en a 3. Ouais. Bon bah Colin, sinon il y a ce groupe là-bas aussi hein. Ouais, regarde, ils viennent. Ils vont tous se regrouper. Mais attends, j'ai une question. Mais pourquoi ils reconnaissent pas Makumba? Oui, c'est ça, c'est pas tes disciples? Non, ils ont été maudits. Malheureusement, ceux-là, ils ont perdu la vraie vue. Ils sont pas au courant, en fait. Oh, c'est un joli tas. Ouais. Quel joli tas. Ah, on a bien fait le nul en plus. Ça va, Gerder, bah merci. Oui. Gerder demande comment vous allez, le groupe? Comment va les flics? Ça va et toi? Voilà, mais attends, mais le chef, il est... Il va se prendre des smites. Mais ils sont tout nuls. Bah ils sont niveau 6 quoi. J'ai oublié de upcast. Ah c'est dommage ça. Dommage. Bon bah tant pis. Voilà, j'ai claqué 3 smites ce tour-ci, je suis content. Moi j'ai tué 5 gars en 2 tours, tranquille. Merci. Putain, mais tu joues de la fuite hyper agressivement, Colin. Bah, je pense pas les gens, moi. Colin, depuis qu'elle a vu Dune 2, son rapport à la musique n'est plus lui-même. Je l'ai pas encore vu. Tu l'as pas vu, il est trop bien. Bah, moi j'ai vu ni Dune 1 ni Dune 2. Ah, ils sont quand même vraiment cool, hein, comme film. On va pas se mentir. Ok. Bien. Je les regarderai à l'occasion. Là, du coup j'ai craqué et j'ai pris l'intégrale des bouquins. Ça va me faire les pieds pendant un petit bout de temps là. Surtout au rythme auquel je lis. Tu me diras ce que t'en penseras. Oh, j'aurais dû faire ouais, ça. Tant pis. Mais ouais, j'adore, mais des fois ça me prend en fait. Si tu veux, je suis là en mode ouais, vas-y, je vais lire un truc et. En général, je regrette hein, d'ailleurs. Hein. Ah bon bah je vais juste glisser voilà. Putain. Ah, cette action était incroyable. Je sais même pas si Grima t'a vu ce qui s'est passé. Non, Grima a fait tomber, elle a même pas vu ce qui s'est passé. Tu t'as fait une petite flaque de glace et je me suis juste vautré comme une merde au moment où tu l'as créé, je suis passé et j'ai fait. Le mec en mode c'est bon, j'arrive, je viens vous sauver. Alors, franchement là pour une fois que je mets pas la glace en plein milieu. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, c'est une question. Ah, oui. On est d'accord, un sort mineur c'est un cantrip. Oui. Oui. Ah tu peux enlève tes decks s'il te plaît. Merde. Oh non. Ah zut. Les summons sont allés dedans. Aïe aïe aïe. Parce que je crois qu'il y a un de mes spells qui a changé. Enfin, une mes anneaux qui a changé. Grima, est-ce que vol, ça t'intéresse? Oui. Je te l'ai envoyé. Merci. T'as un spell qui a changé? Qui a été mis à jour? Non, en fait, j'ai un anneau, il y a écrit quand vous faites des dégâts et d'un sort mineur, avant c'était un sort. Ah, et c'est quoi ton anneau? Bah, un truc, quand je fais des dégâts avec un cantrip, je gagne une synergie arcanique.
Non, ça me dit quelque chose, cet anneau, il m'avait l'air d'être comme ça déjà. C'était pas un grand trip, hein. Il y a une note. T'es su... Gone fishing. Catch you later. More for me. D'accord. Eh bah, plus, Elis. Moi, j'ai trouvé des poissons. Mangeables, je veux dire. What's in here? Y'a pas grand chose de plus, y avait un coffre avec un parchemin et juste une embuscade. Oui. Mais on peut pas revenir en arrière, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Il doit y avoir un truc, hein, chercher la zone. On peut monter par là. Ah, ok. Y'a. Ah oui, oh là, dis donc, t'as des yeux, Colline? Ou alors une connaissance du jeu. La Colline a des yeux? Oh, incroyable! Incroyable. Alors j'avoue, elle était bien. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un casse ce pont par inadvertance, par exemple en jetant une bombe dessus? Bah, faudra juste que je casse jump pour qu'on puisse passer, quoi, ça sera chiant. Ça fait rien. Ah zut. T'as envie de passer putain, cheveux, le ciel est décédé. JPP. Oh! Ah! Ah! Désolé. Ah bah oui. Ah. Ah. Oh non, c'est pas vrai! Pas lui, pas encore. Moi aussi, il est très cool. Mais dégage! Non, mais toi, t'aimes. Voilà quoi. Regard rassurant. Vous êtes ici depuis combien de temps à répéter votre petit discours? Until it was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Vous croyez donc que je vais faire demi-tour et m'en aller? Don't be absurd. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can... set the scene, as it were. Prepare you for your role. Ouais, non merci, hein. Je connais mon rôle, même si vous semblez l'ignorer. Tu es Catrick. Ah, I had an inkling that was one of your main motivators. Delighted to see it confirmed. You're welcome to give it your best shot, of course. It's just that, well... the man has proven to be more or less resilient to death, which is not the only obstacle you're likely to face. I already did. If, through the dark, you go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. J'en ai plus qu'assez de vos inepties disparaissaient. As you wish. I'll be pleased to follow up on your little escapades in your camp one of these nights. Should you live to tell. Oh non, pitié, il va pas s'inviter en plus quoi. Until then, adieu. Et comment c'est en plus, et vas-y, il te lâche un adieu en plus. C'est même pas la bonne traduction en plus. Ils ont même mal traduit son dialogue. Tellement il est nul. Du coup, on a même pas une autre tas de terre. Vous avez eu le tas de terre ou pas? Je viens de le faire. Oh, une armure cellulite. Velza, je te la donne. Tu l'as eu où? Je l'ai trouvé par terre. Hein? Je l'ai trouvé par terre. Ouais. J'ai vu, hein. J'ai tout vu, hein. T'as vu quoi? Hein? Observation sur les malédictions des ombres. T'as creusé. Ces recherches à la malédiction des ombres ont été rédigées par un clerc de la Tendre, le seigneur de l'aube. Ses observations ne lui ont pas permis de comprendre grand chose, mais bien que son intelligence ait été limitée, il ne manquait manifestement pas de détermination. Apparemment, sur la foi de ses découvertes, il a décidé de se poser jusqu'au cœur de la malédiction afin d'analyser ce qu'il s'y passait. Mais en jugé par le sang dont sont maculées les dernières pages de ce journal, il est peu probable que son entreprise ait été couronnée de succès. Et ah, sinon, Colin, tu veux une cape ou pas? J'ai une cape qui renvoie des dégâts de poison quand tu prends un coup. Ok. Elle est verte. Serait pas mieux sur Auron? Bah, Auron, il a déjà une cape qui.
Je sais plus ce que c'est. C'est ça la cape dont tu me parles ? Une cape qui renvoie des... Excuse-moi, des dégâts si on te frappe. Bon, en vrai, je préfère celle-ci. Mais hein. C'est un des quatre, quoi. C'est pas grand-chose. Ouais, mais la cape que tu m'as donnée, c'est aussi un des quatre. Hein. C'est vrai. Mais pour soigner, mais sauf que... C'est ça. Après, l'autre colline s'en servira pas, quoi. Bah, si, je peux commencer à jouer du poisson, moi. Bah, vas-y, joue avec du poisson. Mais écoute, comme tu veux. Hein. Bah, en fait, le problème, c'est que je vais avoir 24 de CA. Donc, le moment où ils vont commencer à me taper, ça va être compliqué, quoi. Et voilà. Mais écoute, je vais passer la cape alors, Belza. Personnellement, je m'en cogne. Donc, bon. Ouais, on en est là, là. Ouais, on en est là. Sinon, je tiens juste à préciser que j'ai 3 oursons en peluche dans mes sacs. Voilà. Vous faites ce que vous voulez cette information. Est-ce que t'as des oursons? Mais moi, j'ai un ours hibou en peluche. Waouh. Et ouais. Est-ce que avant d'aller dans le. Trouver la relique, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour. Voir Art Kulag. On peut aller voir Art Kulag. Et où? Pour lui rendre son lutte. C'est le mec à l'auberge qui était mort et en fait pas mort. Et vu qu'on est à côté d'un point de TP, on peut aller à l'auberge de l'ultime lueur. CRP. Ouais. Tu peux lui parler avec le lutte. Si tu veux, je te le donne. Oui. Et puis ce sera un très bon moyen de tester si oui ou non tu as le droit de jouer. Non, de jouer au jeu. Alors, Velza, hop là. Bien vu. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, mais bien vu. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de dialogue. C'est vrai qu'on n'a pas encore de dialogue. Enfin, que je déclenche en tout cas. Pardon. Il est où, Michel? J'arrête de paraphraser. Il est là, Michel. Ah oui, c'est celui, oui. Ok. Mich. Bonjour. Michi. Jusque là, tout ah va oui, bien. Ah oui, je tire un peu la gueule. Oui, putain. Il t'est arrivé 2-3 bricoles. Sorti le lutte. Mais il a pas du tout cette tête là, le lutte à la base. What the fuck? Et tu sais jouer du lutte, toi? Je croyais que ta proficiency c'était avec de la flûte. Mais moi je sais tout faire. Je sais faire. Tiens. My loot. You got it back. How? J'ai tué Malus Thorn, un chirurgien corrompu. Je l'ai récupéré sur son cadavre. You killed a Thorn. The Catherick's elite. How did you? Never mind. He needs us. Needs our help. I've been lost in the shadows so long. And I met a boy there too. Thaniel. He's the only reason my mind survived that emptiness. That loss. C'est le gamin? He told me about someone he knew. Someone called Housen. A druid. Thaniel spoke of little else. Do you know him? Bah en fait ça va être compliqué de le ramener rapidement. Pourquoi? Ah bah oui, parce qu'il peut... C'est un des quatre. Bah ouais, effectivement. Bah si, mais dis-lui ça. Bah je connais Alcim, je peux le ramener rapidement. Please, hurry. Ouais bah oui, c'est parce que Daniel je le dis. Daniel is more than just a boy. He's the spirit of the land. And he's all alone. Without him. Et tu peux pas, il peut pas se lever de son lit sinon. Il est malade. Mais on doit avoir une option, pour faire avancer la quête comme ça. Bah on va parler à Alcine. Allez. Allez. On te laisse faire, Colin. Ok. On te laisse gérer l'ours. Ah non, ça va le finir encore. Non. Attends, non, il est où? Il est au fond, je crois. Là. Il boude. Il boude toujours Alcine dans les camps, il est tout le temps méga loin. Bah c'est un druide hein. Bref, bon.
individual doesn't seem particularly fond of you. Hein, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Rien, c'est pas moi. Quoi? Je te l'ai donné. La première fois que je vois ça. Oui, mais c'est normal. Qu'est-ce que t'as fait, Velza? Non, mais rien, arrêtez. Si, le groupe exige une réponse, Velza. Qu'est-ce que t'as fait? Si, vas-y. Mais c'est pas moi. Velza? Mais quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Si? Vas-y. J'ai objectivement rien fait. Comment ça, objectivement rien fait? C'est lui qui m'aime pas, il est raciste contre les drôles. C'est pas uniquement parce que t'es. C'est pas uniquement parce que t'es une drôle, c'est impossible. Pas Alcine. Bah si. Les drôles ont attaqué son peuple. Tiens, c'est quoi, je lui donne des oursons en plus, je suis sûr qu'il va être content. Il adore les oursons en plus. Ah, faut que je lui en donne plus parce que je suis vraiment très très bas en fait. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, Velza? Velza, qu'est-ce que t'as fait? Mais si. Voilà. Je vais donner les ours en peluche. C'est pas assez. Bon bah tant pis. Bon bah quelqu'un doit lui parler à Marc. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Ok. Un peu enflammé est en train de récupérer à l'ultime lueur. Apparemment, il a réussi à échapper à la malédiction et d'invoquer un garçon du nom de Taniel. A survivor. Sylvanas blesses us. This could be just the person we need to speak to. Thaniel is no ordinary child. He is the very spirit of this land. If this fist knows where he is, then perhaps we can save him. Save everything. I will go to see him at once. Join me when you can. Voilà. Ouais. Bon bah tout va bien. Allez, on y va. Velza, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui communique. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Velza? Mais j'ai rien, mais arrêtez non, de Velza, dire que c'est ça pas suffit, faux. C'est impossible que le jeu te bloque juste parce que t'as une draw. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Non mais ça sert à rien de parler Alcine en plus, Velza, du coup. Bah si. You Halsin. Thaniel said to find you. You must help him, please. Ah, je suis bugué. I will. Ah, c'est bon, je suis dans le dialogue. To know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. C'est toi, Colin, je crois. Hein. Ouais, ouais. Mais si, j'ai envie de laisser Alcine gérer. Bah attends, tu l'as déjà mis en rogne. Laisse-le gérer, hein, du coup. Hein. C'est vrai que la première réponse est intéressante aussi. Y a-t-il autre chose qui puisse m'aider dans ma quête, une constante quelconque? Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. Ok. I can work with that. Rest now. Je sais, c'est facile, hein. C'est la province. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Stylé. Yeah. Périlleux, c'est mon deuxième nom. Il faut le suivre là, il faut le suivre. Hey. Il est où? Il est à l'auberge. Il sort là. Oui, mais il sort par où? Franchement, je vais lui donner mes meilleurs oursons. Ah oui, ok, je le vois plus, sur la map. Et il est pas content. Je sais pas quoi faire de plus, hein. Bah. Arrêtez de faire des choses qui le contrarient. Mais j'ai rien fait! Qu'est-ce que t'as fait, Velza? Non, mais alors, déjà de 1, pourquoi vous me croyez pas? Vous êtes ça dessus parce que Velza, vous êtes raciste des drons! C'est ça! Velza, non, pas du tout! Velza, pas du tout! Tu fais toujours ta cachotière. Mais non, mais moi, je suis en plus, je suis une claire d'une déesse qui est bonne, donc tout va bien! Oui, alors, justement, tu veux massacrer tout le monde sur ton. S'il te plaît, arrête de sexualiser ta déesse! Mais elle, en plus, alors, déjà en elle plus, le fait très bien sans moi. C'est pas parce qu'elle danse à poil. Elle le fait très bien sans moi. Ah bah il vient. Bah oui. Ah il va pas très très loin. C'était ça le voyage périlleux. Ça sent la lavande, ouais. Ouais. Allez, bon, ça sent la lavande. Ah non. Quick load. Plus d'ours en peluche. Pourquoi? J'ai peur. Ça s'est cassé. Ah bon? C'est cassé. Ah ouais. Ah putain. C'est cassé. Bon bah il faut que tu nous laisses faire les dialogues. Ouais. Tu vois, même Gerder il pense qu'il y a Anguille sur Roche, il dit.
Non, mais ça, c'est parce que juste vous êtes raciste des drones. Non, c'est non, tout, ça suffit, Colin. Oui, ça suffit, Colin. Moi, je montre même ma bonne foi avec ce groupe depuis que je suis là. J'ai cru qu'il y avait une confiance qui s'est développée depuis nos aventures. Il y a une certaine confiance, mais il s'est passé des choses. Pour que les ours en peluche ne suffisent pas à consoler Alcine, il s'est passé quelque chose. C'est clair. Si tu veux, je peux lui donner une petite boule qui fait squeak quand tu cliques dessus. Je peux lui donner une... Ah non, c'est ma boule qui fait squeak quand tu cliques dessus. Tu m'as trouvé une au sol, c'est pas la tienne. Mais c'est marrant, à chaque fois tu éludes quand on te demande qu'est-ce que t'as fait. Ouais. Bah, vous vous souvenez pas qu'à un moment dans l'aventure, tous les druides sont tombés sur la gueule et m'ont buté? Ah mais si, parce que t'as piqué la clé dans... Non, parce que t'as buté un oiseau. Non, c'est pas moi qui l'ai buté, c'est un druide. Il m'a raté et il a buté le piaf. Ouais, c'est ça. Pas moi, c'est je refuse. Sinon, pars et laisse quelqu'un d'autre lui parler. Mais oui. Allez, hop là. Ah bah c'est bon qui s'en occupe. You're here. Good. Now we can begin. Donc voilà, t'avais fait quelque chose. Mais c'est pas moi, c'est les druides. J'ai rien fait. Ma version est correcte. Mm-hmm. De toute façon, c'est drôle. Voilà. Bah, allons-y, hein. Qu'est-ce que ça donne les aventures du portillon? Bah, écoute, Colin, elle est méchante avec les écureuils. Non, ça c'est pas moi. Ah non, pardon, les oiseaux. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que Auron, par contre, Alcine accepte de lui parler. Non, mais je ne comprends pas ce groupe. Vous êtes juste raciste des drôles, c'est tout. Oui, bien sûr. C'est facile de dire ça, hein. Bravo. C'est de la drophobie. Par contre, à côté de ça, moi j'aimerais féliciter Auron. Je devrais peut-être vous accompagner. Oui, pourquoi? Parce que tu as dépassé ta peur des nécromanciens. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. La peur. C'est pas une peur. C'est ce que j'aime pas ça. C'est de la mauvaise magie. Mais bon, t'es mon compagnon. Ton compagnon de larve. On jette en pâture n'importe quel ours, mais Grima qui révolte les morts, rien à foutre quoi. D'accord, ok, non mais vraiment. Je vais les bouder en fait. Ah putain, c'est une mission de défense. À part taper sur Grima, qu'est-ce que je peux faire d'autre? De toute façon, y'a Isobel qui me comprend, je vais retourner la voix. Oh, putain, va voir avec vous, oui. Bon bah qu'est-ce que... Bon bah il veut vraiment y aller seul, donc tu veux... Ouais, moi j'ai juste envie de dire, j'ai pas très envie de me sacrifier pour lui, mais bon après... Bah voir Isobel toi. Quand? Mais moi j'ai plus de smite moi. On peut faire un repos court avant? Attendez, deux secondes. Ah merde, putain, on peut pas le faire parce qu'on est en cours de dialogue. Bon bah... On avait sauvegardé? Oui, t'as fait un quick load. Ah oui, j'ai fait un quick load. Ah non, t'as juste fait un quick load. C'est bon. Non mais c'est bon, quick save, quick load, ça fonctionne. Ouais. Non mais de toute façon, c'est pas grave. On est complètement pété. Oui. It's ready. I'll return with Daniel as soon as... Oh, vas-y, il a fait le regard par-dessus l'épaule avec la lumière dorée qui illumine son visage. Non, ça c'est pas honnête ça. C'est pas honnête ça. OK. Bon bah on attend. Ah bah c'est parti hein. Ils sont où, les vilains? Ok. Je pense qu'on aurait eu le temps de faire un champ. Auron, je serais toi, je resterais par ici. Ah oui? Pourquoi? Ouais. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc je... Ah mais putain, mais j'ai pas ma radiance, j'ai pas mon épée. Ouais. Bon. T'arrives au bon moment, Tienne. Non, pour la bagarre. Après tu peux y aller hein, mais c'est juste que bon. Ensuite t'es tout seul. Disons qu'il y a l'air d'avoir des trucs pas très sympas. Moi j'aurais jamais assez de smite hein, je pense. Si t'inquiète. Bon,
Donc moi je suis, j'ai tué quelqu'un avec mon arbalète et il y a personne qui dérive. Super, bravo. Bah, bien joué. Bravo. Super. Bon, bah, toi, oh, putain, par contre, il faut fumer la mampène, hein, du coup. Hein. Elle est très proche du portail. Sympa l'élémentaire de feu. 5 tours restants jusqu'au retour d'Alcine. Ah oui, d'accord, ok. Mais par contre, il faut pas fumer des trucs qui sont tapis dans les ombres là. Mais ils vont arriver. Les uns après les autres. Des... Ouais, voilà, c'est ça. C'était plutôt à ça que je pensais. Mais en. Voilà. J'y pensais pas. Hein. Je l'ai pas dit, mais bon. Faut pas annoncer les pénuries, sinon les gens font nimp et ça fait vraiment des pénuries. Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'actualité, tienne hein. C'est par rapport aux attentats de Moscou? Ouais, non, j'ai par rapport à Deathmite, non? Ah, possible. Ah non, mais il fait. Ah non, c'est bon, il est pas invisible. Par contre, moi, malheureusement, je peux plus m'enrager. Ah, c'est ça, c'était pas avoir un smite, ok. Ouais, y'a bientôt plus de smite, en effet. C'est moi où il vient de tirer sur le portail des ouais. Avec un arc? Ouais. Non, mais. En fait, la logique. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là en fait? J'ai rien compris. Je crois qu'il y a des trucs qui ont spawné dans le mur. D'accord. Bah moi ils sont tous de l'autre côté du mur donc ça fait chier. Bah non c'est très bien, on s'occupe de ceux qui sont là et... Bah ouais mais on a personne d'autre à taper du coup là. Et où est le squelette là? Laisse-les venir. Bah ouais mais bon vas-y je vais décocher quelques flèches hein, et puis voilà. Hein. Bah voilà. Des ombres. Les corbacs, on les laisse traverser le mur de flamme, ils vont mourir. Qui c'est qui fait les bruits de comment il s'appelle? Ah non, va pas dans les flammes, couillon. Qui c'est qui fait les bruits de McCree là? De qui? De McCree. Dans Overwatch. Il y en a un qui fait. Cassidy. C'est ah ouais qui ça? Il y a quelqu'un qui a un spell qui fait ce bruit là. Je sais pas qui c'est. Moi, je sais, quand je lance des spells, ça fait de la pute, mais. Bah, y en a un qui fait des sifflements, on est d'accord, c'est pas moi qui l'invente, ça fait deux fois que je me fais la réflexion, je crois. Hein. Et à chaque fois, j'entends It's Ainu. Ah, les noobs. Sauf qu'il s'appelle plus McCree maintenant. Ah, il s'appelle comment? Cassidy. Ah bon? Ah oui, parce qu'il a arrêté d'être un roublard, il a repris son nom de non, vraiment, c'est surtout qu'il était nommé après un employé de Blizzard qui s'est retrouvé être un harceleur sexuel. Ah, c'est mal. D'accord. Même sans ça, c'est quelqu'un qui a violé des gens, quoi. Ah, carrément, ok. Oui, bah pendant les BlizzCon. Ah, stylé. Trop cool. J'aurais peut-être pas dit ça comme ça, mais... Oui, non, mais c'était ironique, hein. Oh, oui, joli, les tentacules. Ouais, t'as vu, hein, c'est pas mal. Hein. Petite flèche électrique là. On dirait pas là. Comme ça, mais hé, hein. Niveau bard. Putain. Y'a de la réserve, hein. Tous ces échecs critiques. Bon, c'est par contre, à cause de ce mur de flammes, moi je pourrais pas taper au cac, je suis triste. Comment est-ce que je réussis à faire le pourcentage de chance d'échecs critiques quand on après, a l'avantage tu, sur tu peux aller attaques, taper les trucs là-bas au cac, hein, à droite, il reste une ou deux, un ou deux fantômes. Tu ouais, bouges pas depuis tout à l'heure, c'est con d'ailleurs. Il y a des flammes. Oui mais les autres ils vont dans les flammes. Bah oui, ils sont plus intelligents. C'est les intelligences supérieures les ombres, elles sont là en mode. Waouh. Ah oui. Bon bah allez on boit hein. Belza, c'est bon? Bon. Ouais, voilà, c'est. Y'a pas de soucis, je me suis justement dit que ça devait être. Le suicide. Oh oui, les tentacules qu'ils maintiennent dans le mur, c'est magnifique, j'aime. Non, mais ton mur est tellement bien placé, c'est abusé.
C'est-à-dire que là, effectivement, c'est le spell slot le plus rentable de l'histoire, quoi. Hein. C'est clair. Ah, par contre, ça, il faut s'en occuper, du coup. Ouais. Bah, pour une fois qu'il y a un fight avec un sol à peu près plat... Quoi, il fait... Elle est où, l'ombre, là? Il y en avait une juste à côté. On est d'accord, Colin, il y avait une ombre juste à côté de toi, on est d'accord? Ouais. Mais est-ce que je peux pas, taper au pif ou pas? J'ai le droit de faire ça? Ah bah, juste là. Merci. C'est bon, j'en occupe. Hein. Occupe-toi des gens à distance, Grima. Ah bon, bah... Merde, j'en retrouve. Bonjour. Ah oui. Putain, en vrai, il doit être dur ce fight en vrai. Eh ben. Personnellement, oh, j'en ai tellement chié. Ah ouais. Mais c'est vrai que là on est un peu des gros billes. Bah on a surtout un mur de flamme qui est en train de faire absolument tout le jeu quoi. C'est clair. Les cris sont très réalistes, je me demande combien de gens ont crevé dans les flammes pour avoir de telles prises. Tu ne veux pas savoir, tiens. Ouais, c'est fait. Dernier round. Dernier round, mais en même temps il n'y a plus grand chose, hein. Ouais, il reste un Gus tout seul, hein, le pauvre. Ignis. Ah, je vois. Ignis. Et bah, GG. Bon, bah, il reste un. Je coupe le mur. Non, 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 ah non, c'est le squelette, c'est il a. Faut juste finir le tour. Pardon. Faut juste tous finir votre tour. sinon, ça ne s'arrête jamais. Bon, est-ce qu'on devrait aller looter maintenant? It's done. I have him. J'ai entendu des dés. Ouais, je sais pas ce que c'était, mais... Dreadfully wrong. Il est mort. No. It can't be. Il est mort? No. But some part of him is... C'est quoi ces jets de dés en fond, là? Oh. C'est clair. Hollow. I need to examine him back at the camp. Come see us when you can. Très bien. Allez, bah au camp. Hein. Ah bah attendez, faut qu'on loot. Ouais, faut qu'on loot. Hein. Faut looter des trucs après, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir que dalle là. C'est des péons, c'est des mecs qui ont été ramenés entre les morts, ils ont 4 gold. Ceci dit, ils ont des trucs pour faire des tumeurs putréfiées, j'adore les tumeurs moi. Donnez-moi toutes vos tumeurs. Oh, une épée à deux mains, Gitianki. Stylé ça. Oh, mais oui, moi je prends plein de trucs, hein. J'irai tout vendre. Hein. Si vous voulez pas. Hein. Bah, disons que les grilles c'est chiant, ça se vend pas bien cher quoi. Tu sais qu'une armure en plate lourde c'est 400? Ah bon? Oui. Après tu peux parler, tu laisses toutes tes tumeurs, tu manges pas tes tumeurs, Colin. Non, ça je... non. Tu laisses le meilleur quoi. On peut faire des potions avec. Bah ouais. Ouais, c'est bien. Hein. Tu manges pas tes tumeurs, Colin. Bizarre. Oh là, oui, calme-toi. Calme-toi la narratrice, calme-toi. Je to the camp. To the camp de l'auberge ou... Non, au camp. Ok. Au camp de nous quoi. Ok. Attends, mais c'est pas le même camp que la dernière fois? Bah non. Il est où? C'est normal, mais pas au même endroit. Bah, on était pas au même endroit, ouais. Ah, il est là. Moi je pensais qu'il... Il est où? Il est là. Ok, par là. Ici. Alors. Nathaniel is resting.
but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here. Ah, bon, on la connaît. Mais c'est pas le petit enfant? Si, sûrement. Part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Est-il possible de défaire ce qui a été fait? Perhaps. If we can find Thaniel's lost half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. J'ai rencontré un enfant d'ombre, un petit garçon du nom d'Olivier qui devait avoir environ l'âge de Thaniel. And you saw this boy yourself? That can't be a coincidence. But we need to be sure. And I truly mean we, if you wish. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. Très bien, je m'en charge. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute, anything. Quel bro. Très bien, je m'en occupe. Non, pardon, excuse-moi. Bah, j'en y vois moins. Ah, et bah, je serai bientôt de retour. Un tiers foutre. On vire qui? Moi, je vote pour Velza. Non, mais on peut virer personne du groupe. De toute façon, on peut pas exclure des gens. En fait, ça n'existe pas, on peut pas exclure des gens du groupe. Non, mais. Est-ce qu'on fait un long repos, quoi? Velza, je crois que tu as un petit problème de. Quoi? Non, de poids. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais est-ce qu'on fait un bon repos pour regagner nos sorts, tout ça? Mais j'ai tout, moi. T'as tout? Et ouais, moi j'ai quasiment bon coup en vrai. Hein. Parce que moi j'avais plus de rage. Oh, ah, tu rages trop. T'es un rageux, c'est ouais. Possible. Ouais, de fou. Mais c'est une action bonus. Non, mais après on peut, hein, ça nous bouge. Comment on fait pour. Est-ce qu'on fait pour recharger la rage? En long repos. Ah, c'est seulement mon repos. Ouais. Ok. Mais après, on peut se reposer, hein. En vrai, ça me jette pas. Ouais, bah après, on a plein de ressources, on pense pas. C'est ça. Allez, bah, un petit repos. Un petit long repos. Allez. Allez, tous en slip. Ah putain, il va falloir que je refasse mon setup. Aïe. C'est pas le bleu? Je sais pas. Si. Non, c'est celui d'Oron le bleu. Non, c'est bien le mien celui-là. Non, en fait, je peux pas aller prendre ce qu'il y a dans le bleu. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi c'est dans le bleu qu'il y a des fleurs de sursureau? Du coup, c'était pas le tien qui avait des fleurs de sursureau? Bah si, mais sauf que je peux pas ouvrir celui-là. Mais j'ai bien dans mon coffre des fleurs de sursureau. Ils sont bien là. Ah, donc il y a eu un micmac, je pense, avec le... Ah, ok. Non, mais attendez, il reste des gens, des bêtises. Il y a plus de bébois qui parlait, hein. Non. Attendez, moi aussi je mets juste des trucs dans le coffre que je mettrai à vendre plus tard. Ok. C'est bon pour moi, on peut dormir. Allez. Donc attends. Encore une petite seconde. Mais tu pourras le faire après au pire. Non, bah autant qu'il le fasse maintenant. Voilà, c'est bon. Ça va, Grima? Oui. Tu te sens bien? Tout va bien. Il y avait une boule de feu. Oh là, bah, qui a refusé? Pardon. J'ai cliqué trop vite. Allez hop. Jouer à Baldur's Gate 3, 10% de drama, 10% de scénario et 80% de drama romantique. Comment ça, de drama romantique? Mais pas du tout. Oui, hein. C'est un peu amour, gloire et beauté ici. Mais pas du tout. Tiens, tu nous fais. Donc. Ça va, Velza. Ça va, Velza. Ouais, moi je. je prends mon temps. Velza, elle est là. Avec ses genoux cassés en deux là. Mais non, mais putain, pourquoi tu dis ça? Du coup, faut aller rejoindre le petit garçon, l'autre moitié.
Tu parles à qui, Valza? Crima? La flétrie. Ah. Ah oui, non, vas-y, attends, comme ça, ton setup, pardon. Arabelle, elle est devenue vénère, hein. Pourquoi? Elle lance des sorts bleu-vert, là. Ah oui, bah, c'est parce qu'elle a du mal à contrôler son druidisme. Faut la laisser tranquille. Ouais, mais flétrie, c'est en train de l'aider, là. Dis-moi, ah ouais toi qui es fort au rond, oui. T'aurais pas un cadavre à me prêter, s'il te plaît? Bah j'en ai pas dans la poche, non. Ah, dommage. C'est sérieux, c'est sérieux. Genre, c'est à toi qui l'a transmis. Listen. J'attends que vous rattrapez le dialogue. Attends, j'arrive pas à le croire, c'est pas possible. Si mon enfant est. Ça n'a pas l'équilibre, t'as remettre en repos. La magie d'Arabella est un total plus agréable. Ok. Balance. Ah, Melved. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is bah. Now yours too. Vous voulez vraiment le. The girl must learn the ways of the arcane. But she shan't. Pourquoi pas, je ne vais pas l'envoyer ailleurs toute seule. Arabella holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Et on va pas Alcine pour l'entraîner un petit peu là. Leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. The weave knows thy purpose. It will guide thee, if thou dost listen. Tu peux faire confiance à Flétrice, s'il dit que tout ira bien pour toi, c'est que c'est vrai. Oui. Allez, courage Arabella. You feel the grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. Attends, il lui a montré son futur? Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be alright. Attends, mais quoi? Hop, casual! Casual, Tu crois qu'il y a eu la récompense? Bah, je sais pas, j'ai rien eu comme récompense. De l'XP, non? Vous recevez Bjorn. Accepté, merci. Vous recevez Bjorn. Le groupe a gagné 35 points d'expérience. Non, ça c'était d'accord. Avant ça? Non, c'est ça. Bah, qui a reçu un truc? Parce que vous avez forcément reçu un truc, non? Bah, moi j'avais reçu. Hein. Velza, tu dois avoir un truc sur toi. Hein. Tu dois avoir une bénédiction, ça t'a dit ton pouvoir. Son pouvoir est également le tien, donc ça doit être un truc sur ta fiche de personnage. Rien du tout. Mais c'est garanti que t'as un truc sur ta fiche de personnage. Bah. Non. Mais c'est pas possible. Si. Comment ça, si? Bah, je sais pas, peut-être qu'il a fabulé. Flétrice qui résout tous les débats par un petit tour de passe-passe. Mais en même temps, c'est un peu balèze comme truc, quoi. Tiens, voilà ton avenir et il est radieux. Oh, ok, d'accord. En vrai, c'est stylé. Bon, après, c'est bizarre que ça ait marché avec une enfant qui est dans le déni, mais. Mais bon. Merde. Pom, 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 pom. Bon, en tout cas, Auron, il faut que tu te mettes à stocker des cadavres. C'est il important. Semblerait, c'est pour ton meilleur pote. Ouais, il semblerait, effectivement. C'est pour ton compagnon de larve que tu dois faire ça.
Bon. Oh, trop mimi ta goule volante, Grima. Hmm? Trop mimi ta goule volante. Oui, je l'ai trouvé par terre. Je l'ai trouvé par terre, ouais. Ouais, bah effectivement, on a vu ça. Ah, mais Auron, t'as quelques cadavres à l'extérieur du camp, si tu veux d'ailleurs. Si tu veux, Auron. T'as quelques cadavres à l'extérieur du camp. Magnifique. Je suis très heureux. Ça oh s'entend. N'est pas. Tu as l'air ravi. Tout à fait. Je me suis, évidemment. Bon, du coup, il faut aller chercher Olivier, quoi. Vous êtes tous en train de vendre vos trucs, c'est ça, là? Non. Oui. Obsédé par l'argent, ça me dégoûte. Il y a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a été lavé de notre sang? Ah oui, c'est bon, ça y est, on va mieux, là. On est beau, désormais. J'ai quelques allers-retours à faire, j'arrive. Quelques allers-retours, putain, c'est pas vrai. Oh là là. Mais faut comprendre que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mm-hmm. Moi non plus. Mm-hmm. On n'en doute pas une seule seconde. Ah, je sens les doutes quand même, ta voix. Hein. Alors. Faisait la 2900 quoi. Pété. De quoi? Non, rien. En tout cas, la prochaine fois, Grima, c'est pas à moi que tu demandes du cash, du coup. On est d'accord? Colin, elle a 2978. Non, oh, il a 2400. Non, mais arrêtez. La prochaine fois que t'as besoin de cash pour apprendre tes sorts, Grima, c'est pas à moi que tu demandes. Non, mais je demande à ceux qui ont du cash, c'est pas grave. Hein. Mais la dernière fois, c'est à moi que t'as demandé, mais j'avais pas beaucoup de cash. Hein. Ah, écoute, t'avais du cash. Bon, après, voilà, tu m'as remboursé en outils de voleur. Si c'est mal, 6 outils de voleur, c'est bien. Entendez-moi, moi j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pour ma DS. Bah c'est pour faut que je puisse faire des dons. Vous comprenez-moi. Des dons, c'est-à-dire? Bah l'église a besoin de dons continus pour continuer à vivre. Pour continuer à être continu, finalement. Vous savez, ça coûte très cher en tenue. Hein. Ah, je voulais parler, c'est cassé. Je peux faire un quick load. Pourquoi? Ça s'est cassé. Ça s'est cassé quoi? J'ai voulu parler avec Damon et tout est cassé. Attends. Le problème c'est qu'Auron il est en train de commercer. Il faut attendre qu'Auron finisse de commercer. Ok, bah je vais te finir. Tu veux pas juste quitter ton truc et puis on relance après Auron? Comme ça on peut faire la série. Mais de toute façon il reste juste 3 items à vendre, comme ça tu peux... Oui mais moi j'ai encore 2 allers-retours. C'est bon. Mais en fait, moi la question que je me pose surtout c'est comment est-ce que vous faites pour trouver des gens qui vous achètent pour assez de cash pour toutes les merdes que vous avez à vendre? Bah là, l'intendante elle s'est refait un stock de monnaie. Hein. Et comment ça, l'intendante elle s'est refait un stock de monnaie, tu lui as acheté quoi? Bah quand elle level up, elle regagne des sous. Quand elle quoi? Quand on fait des long rest aussi. Ah bon? Oui. Ah bon, ils refont de l'argent? D'accord. Parce que là, bah je sais plus pourquoi, j'avais pas regardé combien de thunes elle avait au départ, mais là elle en a encore 1800 hein. Mmh. Et du coup, vous êtes en train de vendre toutes vos cochonneries là, tous vos greens, tous vos trucs qui ont pas de rareté et qui se vendent deux, vous êtes en train de tous les revendre un à un là, c'est ça? Bah en fait, moi j'ai ramassé toutes les armures lourdes et les haches et les armes à deux mains, tout ça qui va sur les cadavres. D'accord. Oh non, quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah putain, est-ce que tu peux reloader? Reload. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, ta goule volante? La save m'a fait perdre le contrôle de la goule et m'a remis sur mon personnage, donc la goule m'a rejoint et je sais pas pourquoi elle a sauté sur un PNJ. Et elle va faire ça à chaque save désormais. Bah je vais tenter de la reprendre, pitié, ou de bouger. Pitié, pitié, pitié. Sinon j'ai une sauvegarde rapide avant, hein, pendant qu'Auron était dans les menus. Hein. Ah mais t'étais au même endroit.
C'est-à-dire que tous les PNJ étaient en aggro avec nous ? Oui. Oui. Absolument tous. Ils nous auraient... Est-ce que en juste en fuyant, ils sont comme j'imagine qu'ils sont temporairement hostiles, donc après partir pour mieux revenir. Ouais, mais Velza ne peut pas fuir. Vas-y, gère. Non. J'ai pas. Tu peux pas la... Je ne peux pas, en fait dès que le jeu se lance, elle se met à voler et... Ah putain... Tu peux pas... La faire vanish, la faire disparaître? Ah non, j'ai pas le temps. Et puis en plus non, il y a même pas de bouton pour ça. Ah si, il faut charger par le mur. Est-ce que je vous propose on reload et tout de suite on appuie sur aller au camp? On était sur le camp. Ah non, par contre, tout de suite on appuie sur tour par tour. Non, c'est bon. Non mais c'est bon, on avait fait une chaîne ancienne. Voilà, c'est ça. On avait fait une sauvegarde juste avant. C'est juste qu'il faut que vous refassiez votre dialogue avec Arabella en vitesse x4 et que Grima refasse son setup. Mais par contre, du coup, il faut qu'on attende que vous fassiez vos ventes, donc bon. Bah, sinon, ce que vous faites le x4 et moi je fais mes ventes. Très bien. Go vendre. Ok, bah je vais parler à Arabella si ça vous plaît. Bah non, vends, Auron. Bah non, toi tu dois vendre. Ouais, mais j'ai pas beaucoup. Bah vends. Enfin, bref, comme vous voulez. Ok. De toute façon, on sait ce qui va lui arriver à Arabella. Bah c'est comme on disait au début du stream, je suis content de finir la quête avec elle. Voilà. Ah bah en plus on a récupéré un truc du coup hein. On a bel et bien récupéré un loot qui était bugué qu'on n'avait pas eu du coup. C'était quoi ? Un sort qui donne l'âme des ombres. Sort d'illusion, vous maniez une épée d'ombre infligeant 2-16 de dégâts psychiques. Concentration jusqu'au prochain long repos pour une action bonus. Tous les repos courts. C'est une arme qui. C'est une truc qui te donne une arme à une main qui fait 2-16. Voilà. Intéressant. Faut juste être en train de se concentrer. Bah par contre ça va remplacer Falar Luvé quoi. Bah oui non mais moi je prends pas mais ok. Bah et moi j'ai des trucs qui sont en synergie critique et je crois que personne dans le groupe n'a d'intérêt pour cet anneau. Et ça c'est Gothic à part. Mais oui en plus c'est Gothic, c'est trop bien en vrai comme je sais juste que pour le coup on s'est retrouvé dans une galère dans laquelle on n'aurait pas dû être parce que le jeu malheureusement a encore quelques bugs en multijoueur. Ça arrive. Du coup il faut que t'attendes en dehors du camp, Grima. Que t'es lente hein, bizarre hein. Il faut bien attendre ça. Faut t'attendre à l'extérieur du camp. Merci pour la grande foulée. À l'extérieur de l'auberge pardon. Faut qu'on attende là. Ah, c'est con en vrai ce truc. Et en fait le truc c'est que t'as pas son... Bah du coup j'ai fait une goule qui vole pas là. Parce qu'en fait ce qui causait le truc c'est qu'elle atterrissait sur quelqu'un, c'est ça? C'est ça. En vrai ça c'est un peu relou les bousculades. Genre typiquement je vous avais raconté je crois la dernière fois le camp des myconides qui t'aggro si tu passes à côté du champignon, que tu t'arrêtes devant et le champignon explose sur toi et ils sont en mode « Oh les champignons sont nos enfants, pourquoi tu l'as fait exploser ?» et ils veulent tous te buter. Alors que toi tu t'es juste fait tabasser par un champignon. Non mais les gens il restait une tumeur là que vous avez pas pris, c'est quoi cette histoire? Ah putain j'ai pas fait gaffe, désolé. J'ai raté les tumeurs. Qu'est-ce que ça fait comme potion les tumeurs? Attends déjà on va faire extraire tous les ingrédients, pif paf. Alors, je peux rien crafter parce que j'ai pas assez de trucs. Tu veux que je te donne les ingrédients, Velza ou pas? Grima, pardon. Je peux te donner tout ce que j'ai. Si tu veux j'ai du vitriol de tumeurs putréfiées. Hop, c'est dans l'inventaire de Grima. Pif! T'as de la place seulement dans ton inventaire, toi? Oui. Ouh, plus beaucoup. Grima qui joue au limite testing, là. Mais pourquoi t'as des... Pourquoi j'ai quoi?
bien. En fait, tes poches, c'est un sac à main, mais de nécromancienne, tu vois. Genre, vraiment, c'est tout. Tout est en bordel, il n'y a rien qui va. Genre, les poudres côtoient les provisions, côtoient noisettes mortes. Mais t'as encore récupéré une larve de noisette, mais tu une larve de flagelleur mental, une larve de flagelleur mental morte aussi. Mais je croyais avoir réussi à me mettre débarrassé de noisettes qu'on vous regardiez pas. Ah bah non. C'est pour ça qu'on vous regardiez pas. Oh, vous saoulez. Noisette est toujours là. Noisette est toujours là. Aïe. T'as tout ça parce que ça fait de l'optimisation fiscale quoi. Oh, ça va. Bon, par contre, faut que j'aille voir l'autre marchande parce que lui, il a plus d'argent. Et voilà. Jeff Bezos, be like, putain, les prolétaires qui n'ont pas d'argent, ça me dégoûte. Ah non. Le ketchup. Quoi? Attends, game. Quoi? Mais pourquoi j'ai pas le droit d'y aller? C'est bon. On sauvegarde. Vas-y. On sait pas ce qui peut se passer avec tes ghouls, donc. Mais c'est bon, j'ai pris une ghoul qui vole oui, plus. Oui, mais si d'un coup elle pète un plomb et elle tape quelqu'un. En fait, c'était pourquoi est-ce qu'elle elle volait pour revenir? C'est bizarre. Un state un peu chelou. Elle devait être loin, je pense. Ouais, elle était loin. Ouais. Vous pensez qu'on peut faire un stream sans marchand la prochaine fois ou pas? On fait les marchands hors stream. On fait les marchands hors stream. Je vous ouvre la session. Je vous ouvre la session hors stream et vous vendez tout aux marchands. Let's go. Bon, en tout cas, le patch n'aura pas résolu le bug des dialogues. Hein. Ouais. Mais ce qui est chiant, c'est surtout si ça n'arrive qu'à moi, quoi. Bah, en vrai, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ton setup, en vrai, Colin? C'est une carte AMD. Et ça peut pas juste ça. Je sais pas. Quasiment fini, hein. Mm-hmm. Let's have a look. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil, but it should just about do. We shouldn't hang around too long, though. Seems like a good moment to talk. Ah merde, mais Velza est en train de lui parler. D'accord, pardon. Hop là. Voilà. Allez, on va chercher Oliver. Ouais. C'est où? C'est par là, on est d'accord? Non, attendez, je me suis trompé. Le TP, non. Mais non, il n'y a pas de TP. Shadows, il y a un point de TP juste à côté. Ah bon? Hein? Oui. Où ça? Ah oui. Champ de bataille en ébène. Très bien. Oh non. Là. Puis on a abandonné le RP. Quoi? Mais non. Mais non, on est plus dans la ville, il y avait une pierre de TP. Il y a une pierre de TP dans la ville, hein. Il y a un petit je croyais qu'on faisait quoi, Pat? Bah, disons que là, pour le coup, on a le droit d'utiliser la magie diégétique à l'univers, non? C'est autorisé? Non, le mec, il sort des grands mots comme ça, là. Diégétique, le mec. Diégétique toi-même, d'abord. Diégétique hein. Ta mère. Oula. J'hallucine, le gars là, il est là, il m'a dit diégétique, le gars, je vais lui casser la tête. Oui, moi je fais des régimes et tout là. Voilà, je fais des régimes. Ah là là, les bardes, c'est insupportable, hein.
Bon alors, Oliver. Oliver, fais pas le con. Auron, t'es sûr que tu veux t'occuper de l'enfant là? Oui. Mais c'est vrai que c'est un petit con lui. Bon, Auron, fais confiance à ton anneau de tromperie, d'accord? Warped by the curse. Go on, find someone else to play with. Je sais qui tu es vraiment et où est ta place. Tu dois te réunir avec Daniel. Oh oh. Aïe aïe aïe. I'm not going back. Tu sais pas parler aux enfants, en fait, c'est ça ton problème. T'es très doué en diplomatie avec les adultes parce que tu leur hurles dessus, mais les enfants, ça marche pas comme ça. Vous jetez sur lui. Oui, diplomatie, on avait dit, hein. Ah bah, très techniquement, c'est RP avec ta diplomatie, ça. Hein. Techniquement, ça marche. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles sont déjà, tu veux bien. Not harder. Impossible. I don't want to play with you anymore. Aïe aïe aïe. You have to pursue him. No doubt he will seek a place where the shadows are strongest. Oh là là là. Aïe aïe aïe. Il y a un gros portail hein. Où ça? Bah dans la maison. Ah oui. Let's go. Portail des ombres. Oui. Haha, j'ai cliqué. Lame des cartes. Oh merde. Alors, il y a un bruit. Il y a quelques bruits. Ah, esprit mais de la c'est terre perdu dans les ombres. Ah, je reconnais aussi. Et si on essayait de pas le tuer? Eh oui, on est vers le cimetière. Non, mais c'est le dôme qu'on peut taper, c'est bon. Bah non, mais quel lui dôme. Il a une barre de vie aussi. Pourquoi il est hostile? Quel dôme? Ah, le dôme nocturne. Pourquoi il est hostile? On tape papa et maman? Venez, on le tabasse. Je vais défoncer papa et maman. Hein. Sale con ce gosse. Moi, je propose qu'on lui casse les dents. Attends, mais je suis. Vous pouvez me libérer, s'il vous plaît? Est-ce que on peut bouger juste une personne de cette formation? Pitié. Pitié, Belza, laissez-moi sortir. Velza, pitié, bouge. Bah saute. Mais non, mais ça va me dépenser une putain d'action bonus. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est bon, aïe, je te fais aïe, de la aïe. Place. Au secours. Try me. Allez, papa, ça dégage. Voilà. Ok. On a eu marre. Et après, ça se plaint que ça a plus de smite. Quoi? Écoute, c'était papa, il avait plein de PV. Allez, faites dodo, comme ça on joue plus vite avec. C'est vrai, ça va skip vos tours. Très bien. Auron! Aïe 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 aïe. Auron, n'oublie pas que tu as des problèmes de. Tu as des problèmes de gestion de colère. Ah le gamin! Non mais arrête! Mais quoi, faut taper le Doom non? Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas tuer le gosse là? Parce qu'il est hostile hein. Non mais. On tue maman. On tue maman hein. On tue maman. Mais non, mais tabasse le dôme là. Mais non, on tue maman. Aïe aïe aïe. Bork, fais dodo. Oui, je fais dodo. Alors que l'élémentaire, lui, ne fait pas dodo. Si vous tuez maman, ça casse le dôme, hein. Tu es sûr de cette Bah quand j'ai tué papa ça a fait 60 de dégâts au dôme. Oui. Moi je vais tuer maman. Je vais me prendre des attaques d'opportunité mais c'est pas grave. Oh là, pauvre maman. La fermer l'autre. Why couldn't you just leave me alone? Why can't I just stay here playing? I had everything I've ever wanted right here. Ça a mal se passer hein. La goule est trop pour moi, je peux aller taper Daniel pendant que Oui, bah évite. Ah, c'est moi qui dois choisir. Mais
Ah, ah c'était, moi, c'était moi, c'était moi, c'était moi. Tu n'es pas obligé de t'en occuper, Taniel. Tu étais très courageux pour te débrouiller comme tu l'as fait. Imagine comme tu pourrais aider Taniel. But would he even want me back? I've changed. A lot. Le changement a du bon, tu sais. Ça signifie que le fait, ça signifie le fait de grandir. Vous serez plus forts ensemble que séparés. So I wouldn't have to make up friends to play with anymore. I'd have someone real. I'd like that. And he would too, I think. All right. I'll do it. Tu vois, on, c'est facile de parler aux enfants. Bye. Bah oui, mais il suffit d'être sympa avec eux. Plutôt que de leur dire, oh, tes parents sont morts. Bah oui, bah désolé. Pas mort, il a pas de parents. Le coup de dague dans le dos là, c'est moche. Ah ouais, mais désolé, bon, allez, en même temps, toi, bon. Toi. Putain, tu sers à rien. Belle, debout. Et du coup, attendez, on s'est juste fait TP, mais pas bien loin en fait. Bon bah, il faut aller au camp maintenant. Pourquoi? Bah parce que il est allé voir Oliver. Ah, il est juste là. Tu veux qu'on aille parler à Alcine en fait? C'est ça. Non, mais bah, Daniel est de retour. Et les gens, ils laissent du loot. Ah non, par contre, il a vraiment pas une bonne tête. Mais oh. Ah, désolé, mais. On peut avoir l'autre, s'il vous plaît? Mais. C'est pas très cool. Bah, en même temps, vous regardez tout de suite. De quoi? Mais. C'est pas parce qu'il est moche, c'est tout de suite? Bah, si. Mais. Bah, si, désolé. Ah bon, bah, au moins, on est d'accord. C'est tout? Ouais, ok, c'est tout. Ils se sont vraiment foutus de notre gueule. Tout ça pour ça, et même pas de l'XP. Well. He's healing very rapidly now that Oliver has returned to him. Qu'était la venue d'Olivier, d'Oliver, juste? Est-ce que Daniel l'a absorbé? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend once I'm gone. Still, I would like to return here someday, see Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Il aurait d'avoir pu aider. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Et maintenant, vous avez obtenu ce que vous vouliez, non? Indeed. But we cannot yet say the same for you. I promised I would help you, and I intend to keep. Non, mais il va encore insister pour rejoindre notre groupe. Who knows what awaits us in the city and beyond? But we shall face whatever may come as staunch allies and unwavering friends. Je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Non, tu l'as friendzoné. T'as friendzoné l'ours. Ah, c'est horrible. Mais j'ai cliqué sur le premier message. Mais t'as pas lu. T'as pas lu. Non, j'ai pas lu. Mais tu vas finir seul. Mais veut pas de toi. Oran, t'as fini. Tu vas finir seul. T'as déjà raté tes chances avec comment elle s'appelle, avec Carla, et là t'es en train de rejeter Alcine. Aïe, bon, après, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est plutôt les femelles qui m'intéressent, hein. Écoute... C'est un druide. De quoi? C'est un halo? J'ai pas compris. Rien. Bon, est-ce que Taniel dit des trucs en plus? Non, Taniel, il dit qu'il faut tuer Catherick Thorne. Taniel, ça y est, depuis que Olivier l'a rejoint, il a des voix dans sa tête. Il est là en mode, j'ai envie de tuer Catherick.
Eh bien, très bien. Bon, bah, y'a plus qu'à aller au mausolée, du coup. Ça tombe bien. On n'est pas loin. On n'est pas loin bah, on est pas loin. Oui. Mais on était pas loin tout à l'heure. Bah, oui. Ah oui, grand mausolée. RTP, c'est là-bas. Pas loin. Tiens, en parlant, y'a une petite zone de noir, là, qu'on n'a pas vue sur la route. Ouais, remontons vers le nord. Le nord, ok. Nord, voilà. Le nord. Ah oui, alors, pardon, excusez-moi. Bonjour, petite musique. Vous allez bien? Ah bon? Mais pourquoi? Oui. Ah bah parce que j'ai besoin, parce que je vais récupérer me faire l'urbe et mon truc de DS. Oh! Un squelette! Avec un joli anneau, caresse du véritable amour. Cet anneau fait partie d'une paire d'alliances qui vous permet au porteur de recevoir le lien de protection lancé par la créature pendant l'autre anneau au doigt. Il doit y avoir quelqu'un qui a un deuxième anneau. Non mais vous anneau. L'avez l'autre anneau? J'ai l'autre. C'est vrai? Oui. Et alors du coup ça permet de faire quoi? Il permet au porteur de recevoir lien de protection. Et toi tu reçois quoi en échange? Bah, protège un relique unifié, résistance à tous les types de dégâts ainsi qu'un plus 1 bonus de classe d'armure et à ses jets de sauvegarde. Chaque fois qu'il subit des dégâts, vous en encaissez autant. Ah! Quoi? Résistance à tous les types de dégâts? Moi, ouais, ah je veux bien, hein! Qui veut se marier avec moi? What the fuck? Moi, je veux bien me marier avec toi. Ah, formidable, faisons ça. Allez-y, mariez-vous, hein. Mais c'est abusé! Mais c'est vraiment abusé de... Faut qu'on me donne un des côtés, un oui, des anneaux. Oui, deux secondes, voilà. On l'a trouvé où le deuxième? Dans la maison de la guérison. D'accord. Oh, regarde, toutes ces rebelles résistances. Oh, oui. Résistance à tout, mais what the fuck, mais c'est OP en vrai. Mais pourquoi? Mais... Pourquoi le short rest? Ah putain, et ils ont vraiment bindé le short rest sur T. Bon, on s'en fout, on en a encore deux. Impossible, si c'est possible. Bon. Non, pardon, c'est moi qui ai un clavier chelou, je sais pas. Non, c'est possible que ce soit sur Y, mais je... En fait, il y a des bindings de merde dans le jeu quand même. Et j'ai trouvé des bottes de mort apparentes qui nous permettent de simuler la mort entre deux courts repos. Eh bien, merci. J'ai 25 de CA. Attends, mais c'est abusé. Résistance à tous les types de dégâts? C'est n'importe oui, quoi. Mais du coup, moi je les prends les dégâts. C'est un peu ça le principe. Oui, mais c'est pas grave. Attends, mais le truc c'est que vous les prenez tous les deux? Oui. Mais que la moitié. Mais on est allé dans le truc sombre? Non? Ben oui. Ok. Ah, mais c'est une fois entre deux longs repos. Et c'est quoi du coup? C'est un sort de concentration? Non, c'est juste perma, là. Non. C'est perma quoi. Mais c'est trop fort en vrai. Attendez, vous êtes juste parti devant, j'arrive. Mais c'est hyper. Quoi, t'aurais préféré te marier avec moi? Mais non, c'est juste que c'est très fort en vrai. En fait, deux fois plus 1 à ta classe d'armure et deux fois plus 1 à tes tests de trucs, plus double mais résistance. C'est pas deux fois plus 1. Bah si, chacun c'est a plus 1. Plus 1. Non, chacun c'est a plus 1. Non, c'est que sur Velza. C'est à sens unique. Mais par contre, toi, tu prends ses dégâts. Oui. Ah, mais sauf que du coup, si elle a une CA de ouf, en fait, tout va bien. C'est l'idée. Bah, c'est ça, ça lui met une CA de malade. D'accord. Ouais, c'est encore un sort de voix, ça, on s'en fout. Journal de Ketrick Thorn, volume 1. Ah, j'ai trouvé un symbole chelou. Ah, bah sa femme. Il y a des bouquins. Volume 2. Ah, ouais, un sac à dos. Oui, le volume 1 était à l'entrée. Et y'a quoi dans le... Il y a écrit quoi? Auron l'a pas lu. Ben vous voulez qu'on lise? On veut vraiment lire tous les journaux de Ketrick Thorn là? Bah faites ce que vous voulez. Bah allons-y hein. Alors... Je peux pas le lire, il est pas dans mon inventaire. Journal qui s'étend sur de longues années, commençant par la naissance d'un enfant. D'une enfant. Il se poursuit par une succession de tragédies sans qu'aucune date ne permette de les situer dans le temps.
quand peut-elle avoir disparu? Où a-t-elle bien pu aller? La Vierge Lunaire est peut-être aussi cruelle. Pas envers ses plus fidèles serviteurs, et encore moins après ce qui est arrivé à Melodia. Cela n'a aucun sens, mais je n'y survivrai pas, je sais. L'oubli est la seule option. Le répit du vide et trace du néant. Il n'est pas possible de subir maintenant ce genre de choses. J'ai ouvert. Mais du coup, vous écoutez pas? Eh ah. Mais en fait, il a perdu sa fille et il est triste, quoi. En ayant conscience de ce que l'on peut perdre, cela, Charles comprend et sa clémence est ma seule issue. Mon esprit est plein de zones blanches, mais cela n'est pas assez. Le vide, le temps, le néant. Et pourtant, je me souviens encore de tout. Il n'est nulle miséricorde pour mon cœur meurtri, nulle compassion en ce monde. Velza, j'ai trouvé une cape qui pourrait peut-être être bien pour toi. Ah, vas-y. Ouais, elle est sympa cette cape. Elle fait quoi? Ok, bon bah il est triste quoi. Alors, je te l'ai donné. Aha! C'est équipé. Je te la donne, je te donne la mienne si t'as envie. Ça va, merci. La mienne. Bon, ça me fait plaisir. Les ordres du général Thorn sont on ne peut plus clairs. Afin de découvrir ce qu'il y a sous ce mausolée, il est nécessaire de marcher dans ses pas en reproduisant la totalité de ses actes. De la splendeur à la tragédie et de la tragédie à l'infamie, comme il le dit lui-même. Oh non, il y a une énigme où il va falloir lire tous les journaux pour comprendre ce qui lui est arrivé. Il a commencé par perdre sa femme, et Intu, il a perdu sa fille. Il y a des boutons. Il y a des boutons qui correspondent à. Oh oh. Ce piège a été désamorcé? Ah bon, mais par qui? Catherick Thorne leading Charles' forces. Quite the about face for a warrior Saluna. Bon. Alors. Il faut reproduire ses traces. Alors, ça fait clic. Je vous préviens, je marche sur tous les pièges, moi, depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait clic. Ouais, depuis tout à l'heure, je marche sur absolument tous les pièges. Bon, donc il faut reproduire son histoire, donc on a des boutons et des tableaux, donc voilà. Catherick Thorne a commencé par perdre sa fille, il était du coup très triste. Voilà, donc ça commence, bravo. Qui est le tome 2? Non mais c'est facile, il a commencé par perdre sa fille, il était très triste. Ensuite, il a trahi machin, et ensuite il a fait les tours de haute lune. Mais non. Hop là. Ah si. Mais non. Ah si. Mais non. Ah si. Mais non. Aïe aïe aïe. Grima, je t'avais dit que c'était pas ça. Les tours de haute lune, elles sont beaucoup plus vieilles. Comment ça, les tours de haute lune, elles sont beaucoup plus vieilles? C'est lui qui les a construites. Oui, mais les a construites à l'apogée de sa gloire, quand il était encore sous les ordres de ses lunés. D'accord. Moonrise, donc... la lune. Donc c'est d'abord... les tours de haute lune, puis il a perdu sa petite fille, puis il est devenu un traître. De toute façon, c'est des permutations à 3, donc ça va pas être bien compliqué, hein. Ah. Oui, clic, clic, ça va. Voilà. C'était facile comme énigme. Ah, et là maintenant, c'est char. Ah, vas-y. Attends, c'est char quoi? Oh! Ce disque m'a tout l'air de pouvoir se déplacer. Reste à savoir où il va. Ah, on en est là. On en est à quoi? Non, rien. On se vient? Non mais ça va, on va tout cramer. Tu viens au rond? Tiens, regarde, tu vois la statue là? J'arrive. Ah ouais, pète là. Fais-lui mal. Bon, c'est pas très efficace. Faut que tu montes dessus, rond. J'ai confiance en toi. Hoppa! Le petit youp là! Non, je suis déçu, on voit pas toute ma ménagerie sur les cinématiques. J'avoue que ça aurait été marrant ça. Some sort of temple. Mais vous êtes pas là? Si. Ah, il est non, non. Vous chargez. Non, c'est ça. On arrive. Oh, fallait qu'on clique. Comment ça, moi oui, je sais pas ce que c'est, char. Oh, oh, oh. Hein?
Velsa, ressaisis-toi. Singer of eternal night, protector of the lost and forgotten. Protector of the lost and forgotten. Oui, oui. Mais elle protège personne, Char, non? Bah si. Elle est pas là en mode douleur. Alors, pas que. Il y a une plaque. Ah. Qui peut caster darkness là? Moi. Moi. Bah vas-y. C'est une fois par Apollon. Ah. Tu veux que je le fasse avec un spell slot? Bah comme tu préfères. Aïe! Il suffit juste de casser darkness là-dessus, ouais, voilà c'est ça. Ok. Non. Ça n'a pas marché. C'est très casse-couille. Après. Non, ce qui est bien, c'est que je me fais pas. Ah, perception ratée. Ah, réussi. Elle est sympa cette salle en vrai. Ah! Voilà. Ça. Bah, c'est bon, là, il fait noir là. Non, mais il faut quitter le mode par tour là. Tour par tour, c'est trop chiant. Aïe! Attends, mais. Vous avez vu qu'il y a une salle à droite? J'ai rien compris. Attends mais c'est pas normal, c'est un bug. J'ai marché, j'ai pu l'approcher, c'est complètement bugué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai rien compris ce qui s'est passé. J'ai rien compris. On a trop cliqué et ça a fonctionné. Trop cool. Oh là, mais il y a des bruits de pièges dans tous les sens par contre. J'ai fait descendre l'enfonceur magique. Ah, il fallait les éteindre du coup. Bon bah bravo. Bien joué, Auron, tu as trouvé la solution, Leading. Malheureusement pour toi, Grima a été plus convaincante. Vous avez vu à l'extérieur, il y a une petite tombe là, je sais pas, il y a des trucs. Est-ce qu'on y va? Où ça? Bah je sais pas, il y a un passage à l'extérieur. Attends, t'es de quel côté là? Je suis perdu moi. Là, là, ici, c'est ça? Ah, on va là. Voilà. J'en ai aucune idée. Non mais en fait, il y a deux autres passages en fait, ce passage là. Attends, mais je suis paumé moi. Bah allons sur celui-là ou sur un autre, en fait c'est... Non mais ok. De toute façon il faut faire un pas dans une direction, sinon on fait rien. Mais bah là on est tous en train de partir dans des directions différentes. Allez. Hop, moi je vais dans cette direction là. Hop. Il est où? Putain, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est? La raide de la nuit arrivera à la chute des feuilles. Tu peux nous mettre Featherfall s'il te plaît, Grima? Bien sûr. On va tous sauter dans le vide là. Non, on va certainement pas sauter dans le vide. C'est une très mauvaise idée. Mais c'est écrit sur la tombe. C'est écrit sur la tombe. Le règne de la nuit arrivera à la chute des feuilles. C'est peut-être juste l'automne. Y a pas un endroit où on puisse featherfaller là, dans le coin. Non, ça m'a fort l'air d'être un puissant fond. Ça doit être, en vrai, ça doit être la solution à l'énigme des torches là. Hein. Auron, il est en train d'éteindre toutes les torches, mais l'énigme a déjà été faite, Auron. En fait. Grave. D'accord. Il n'aime pas la lumière. Un vrai disciple de Char. Pourquoi on va pas à gauche voilà. Du coup? GG Auron. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait à gauche. On n'est pas allé à gauche. Y'a quoi à gauche? Ouais. Sauvegarde. Ouais, le fait qu'il y a quoi à gauche? Mais j'en ai aucune idée. Bah je sais pas, bah on y va ou on y va pas? Ah, attendez, on va où du coup? Reviens en arrière. Je sais pas moi. Il y a une tombe. Il y a des champignons. Il y a des tombes. Il y a quoi de beau dans la tombe? Rien. Des gold. D'accord. Que j'ai ninja loot. On à peut votre sauter service. Là. Ah bon? Ouais, ça a l'air de passer. Est-ce que c'est une bonne idée par contre? Je vois un coffre loin. Ah, ok, c'est une bonne idée, on y va. Moi je passe pas trop, je crois. Hein.
T'as besoin d'un sortilège? Non, c'est bon. Mais en fait, on est dans l'Underdark encore. Oui. Il me faudrait Featherfall, je pense. À partir de quel moment une caverne ça devient l'Underdark? Très bonne question. Ah, d'accord, il y a une bagarre là. D'accord. Qu'est-ce qui fait dire ça? Bon, le fait que je me tape spoiler, ça sert à rien. Mais laisse-moi revenir sur mon personnage, je suis en train de jouer. Voyons. J'ai fait un raté, un échec critique. Bah super. Oh, c'est résistant aux dégâts cette merde en plus. Ça rien de le taper. Bah ce fut rapide. Ouais ouais. Joli coffre. Bah super. Parchemin de sort de grêle. Faut le donner à Grimace. Tempête de grêle. J'ai trouvé une porte en chaîne à double bâton. Bah, si Grima, tu prends le parchemin du coup. Faut lui envoyer dans son inventaire. Hein. Je le veux bien. Bien joué. Non, c'est pas qu'il fallait aller. Oh, il est où mon élémentaire? Mais viens toi, t'es nul. Ah, je peux me suivre. La personne qui vivait ici aime beaucoup les champignons. Il est vraiment trop con. Il y a des bruits qui font quick quick. Ah, il y a des souris, il y a des souris qui voient un culte à un cercueil. What the hell? Passe avec ta maîtrise des animaux là, communication des animaux. Il y a des gens qui disent des trucs derrière les portes, faites attention. Je sais, je sais. Genre, il y a des personnes à droite. Allez, les rats. C'est trop mignon. Ah, je suis bugué. Oh. C'est bizarre, il y a que Auron et moi qui arrivons à. Ouais. Allez, on recharge. Trop petites jambes, comment ça trop petites jambes tiennent? C'est juste que je saute pas très loin, ok? Ça suffit. On arrête de stigmatiser les personnes de petite taille. Qu'est-ce que c'est là? C'est... Oh! Non, le problème c'est pas que tu sautes petite taille, le problème c'est que tu connaisses pas le sortilège de saut. Bordel. Ça suffit, oui. En vrai, ça me sidère toujours qu'il charge tout l'acte à chaque fois. Oui, mais en fait, je pense que ça doit être trop compliqué à gérer toutes les interactions sans. Attends, il m'a dit que j'étais indigne. Mais attends, oui. Mais il va se prendre une boule de feu, Laura. Non. Bah si, fume-le. Grima. Bon. Non, attends, bah j'aime bien toi ou je t'écrase. Et franchement, je préfère éviter de salir la semelle de voilà. Ma botte. C'est bien. Coup de pression, là. Bon, calme-toi, toi tu parles. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais là? On lui crame la gueule ou... Bah, t'as fait la maligne, donc maintenant, assume tes actes, hein. Assume tes actes, hein. On ramassera, non, on ramassera va, son cadavre c'est... et... Il me fait chier, mais c'est un rail. Mais de toute façon, si jamais on tue des rats, moi je vous préviens, je vais mettre sur le chemin de Grima. Hop là. Moi j'ai cliqué sur l'hôtel de char, je m'en fous. Hein. Ah oh. Mais j'aurais trop. Je me demande ce que mon perso fait si je fais ça. Tu sais, j'ai l'option déjà de base. Je peux avoir un bonus. Je suis trop loin. Je suis beaucoup trop loin. Et tu peux pas me faire. En fait, vous êtes tous partis tellement vite. Mais non, c'est trop tard là. Bon bah...
Oh, let's go. Tu le laisses faire ça? Je l'ai pas vu. Touche à tout, c'est plus 2. Mais... tu vas devenir un paladin de char. On va devoir cramer Bjorn. Non, on va cramer Bjorn. Mais ça suffit. Hein. Voilà, faveur du champ nocturne, vous êtes juste des jaloux. L'entité affectée bénéficie d'une résistance aux dégâts nécrotiques jusqu'à votre prochain long repos. Hop là. Désolé, potes. Non, mais je vais te taper fort, hein. Ok, non, j'ai pas d'option spéciale. Non, mais moi je me demande en fait si j'ai pas une option spéciale parce que théoriquement, il devrait. Toi, tu peux pisser sur la tombe, toi. Ouais, mais justement, c'est la question que je me pose. Tu risques juste de pas trouver faire pipi sur la tombe non, et tu vas te dégoûter. Bah vas-y, prie. Est-ce que si bah tu non. réussis ton jet de prière. Ah non, c'est mort! Ta déesse te désavoue. Attendez, non, ne faites pas ça! Comment ça, ne faites pas ça? Il y a des personnes derrière. Mais comment bah, ça? Comment ça, il y a des personnes derrière? Moi, j'entends rien, hein. Moi, c'est bon, j'ai juste ouvert la porte. Moi je vais rentrer hein. Moi j'y vais hein. Eh ben quoi? Ah ouais d'accord. Salut. Hello. You prowl my battleground. Why? Are you friend? Foe? Thieving scavenger? Oh là. Find yourself in a dead putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. Ah, c'est un Thorm. A friend, an uninvited friend. I do not request help. À qui suis-je en train de parler au juste? Come join me and find out. I want to look at you with my own eyes. Stinking pile of ogre afterbirth! The quakes herald the shadows. They found me. Ah! D'accord. Ouais, est-ce que je m'en râle ou pas là? Non, ils sont niveau rien du tout là. Il y a juste un tribun vengeur et on va l'éclater en deux coups de cuir à peau, regarde. Hop! Hop! Voilà. If! Voilà, on n'en parle plus. Avec un smite de niveau 1. Y'a plus qu'à taper ces trucs là j'imagine. Voilà. Il nous reste encore deux. Je vais juste pas assez vite. Est-ce que je question que je me pose. Ouais non si. Ça va, il y en a plus qu'un, on est tranquille. On va s'en occuper. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que des tribuns de char poursuivent ce mec-là? Parce que ça doit être un Thorm. Pourquoi est-ce que les tribuns de char l'embêtent alors qu'il a littéralement exprès trahi ses lunés pour faire ce genre de conneries là? Ah merde, il y a des reportails encore! Merde. Oh non, t'as pas les copains, Ron. Mais en fait, c'était une onde qui était sortie du... Comment ça, les copains?
Bah c'est des copains, c'est des tormes, c'est pour la bonne blague. Mais... La bonne bourre. Qu'est-ce que j'entends? Ça va, c'est des copains, c'est pas parce qu'ils prient char que c'est des gens différents. Et je vais tout péter. Non mais Velza, on les interroge, puis on les crame. Voilà. Voilà. Ah, il... Encore. C'est pas fini ce merdier, oui. Et où le deuxième il est là? Mais c'est moi, ils ont plus de points de vie là. Non, ah non, on avait une qui en a plus de points de vie. Bah j'en ai trouvé une qui en avait 35. Ah ok. Peut-être que ça allait faire popper un gros machin. Peut-être que ça allait faire boum. Par contre les archers ils se touchent hein, dis donc. Oh là, Ignis incoming là. Je vois. Ignis. C'est bon, c'est fini, oui. Oh là. Ah. Sympathique, dis donc. Bonjour. Ça, c'est tes potes, hein. Ouais, il est où? Il est là, mon pote, non? Ah, pardon. Bonsoir. Il est où, mon pote? Je le trouve plus. Derrière la porte, non? Ah oui, d'accord, je le voyais pas parce qu'il est trop loin. Alors, il s'appelle Cher, franchement. Ça doit être un mec bien. Ah merde, c'est à lui qu'il fallait parler, pas à Cher. Ah, oui, en même temps, putain. Ah, il est dégueulasse. Not just any true soul would have succeeded in following my path through. Il est vraiment horrible. You should be pleased. Il a l'air plus intelligent et sain d'esprit que les autres tormes auxquels on a parlé. L'option de parade. Moi je suis d'accord, j'approuve cette option. Moi aussi j'approuve, hein. J'aime pas la nécromancie. Oui, non, il y a la bonne nécromancie, il y a la mauvaise nécromancie. Hein. Je serais fier une fois que j'aurais séparé votre tête de vos épaules, nécromancien. Such a limited grasp of mortality, idiot. Oh! You are a waste of flesh. I'll see what I can salvage after my creations are through with you. Elle a 11 d'initiative, le bâtard. Ah. Ah, il s'est accéléré tour 1, quoi. Waouh. Qu'est-ce qui se passe sur le cul? J'ai pris cher. Ouais, de ouf. Ne me healez pas, il m'a bonne shield. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on le tue? Toutes ses invocations tombent en ruine, non? Ça vaut le coup d'essayer. Vas-y, hein. Moi, je vais me taper le copain, là. Le copain. Putain. Auron, vu un gros Tanus sur Moda. Cet homme est un homme de culture. Oh, merci, Velza. Tu es un amour. Oh bah. Tu sais, maintenant, c'est la vie à la mort. Je vais me faire paralyser par une vieille attaque d'opportunité, ça va me casser les couilles. Incoming, vous êtes prêts ou pas? Il est planqué où? C'est bon, il est là. Ah, c'est collé à gauche. Collé à gauche, je le vois pas. Je m'en occupe. Comment c'est Smite? Ah oui, c'est lui, ok. Comment je fais pour. Smite! Pour montrer. 2. Comment on fait pour montrer? Smite! Alt clic droit. Alt clic droit. Malheureusement ça n'a pas marché. Par contre ça leur a tous enlevé la protection contre les morts vivants. Ok. Ah non, mais ça fait le ménage. Ah si, ça en a quelques-uns, ok. Ah si, si, il y en a pas mal. Protection contre les morts vivants. Les morts vivants alliés à moins de 6 mètres bénéficient d'une résistance aux dégâts contondants, tranchants et perforants. Hop là, c'est dans ton inventaire, Grima. On est comme ça, nous les paladins, on rince nos potes. Et on décapite des gens. Et on décapite des nécromanciens. Allez, ghoul contre ghoul. Ah. Ça va être rigolo, un build bien bien gros nécromancien en tous les sens là. C'est long.
C'est prévu. Ah oui. C'est long à jouer, c'est très très long. Merde. Ouais, tu joues tout seul, t'as juste ta petite armée là. Bon, ton pote il t'a tapé sur la gueule quand même. Bah, mais pas autant que moi, hein. Regarde ce qu'il lui reste comme PV. Ça c'est l'amitié barbare ça. Ils se mettent avant tout sur la gueule quoi. Ça fait quelques points d'XP. On gagne quand même pas mal d'XP depuis qu'on est dans cette zone, j'ai remarqué hein. Genre ouais. Quasiment on est à la moitié du niveau 9. Ça a pris un stream quoi. Y'a un rat. Non, foutez-lui la paix, le pauvre. Défonce-le. Foutez-lui la paix, le pauvre. Ou ça le rat, oui. Coupe-lui la tête. Non, laissez-le tranquille. Avec la taille de ses poches, Auron ferait un bon nécromancien. Moi, je lui ai fait du 150, hein. Oh non, t'inquiète, on va le terminer autrement. Kema, tu veux bien lui mettre une petite attaque, un petit taquet? C'est possible. Juste un tout petit taquet. Souffle lui dessus. Petit taquet incoming. Oh là là, je vois venir un peu de feu là. Ah non, c'est bon. Et voilà. Il avait une perle dans ses magnifique poches. Et 3 tumeurs putréfiées. Yay! Des tumeurs putréfiées! Toujours plus de tumeurs. Toujours plus de tumeurs! Ah, pardon, c'était à moitié. Il y a juste la boule derrière moi. Et une autre aussi à côté de. Non, attends. Non, elle est gentille, elle. Ouais. Non, il y a bel et bien une goule méchante, non? T'as bon? Non, elle est gentille. Ah non. Ah oui, d'accord, c'est la goule guérisseuse, la méchante, d'accord, ok. Oui. Non mais je l'aime bien mon épée, hein. Ma death elle est bien. Hein. Ok. Death de dégénérer, oui. Arrête. Bah attends, tu veux tuer tout le monde qui ne se pense pas comme ta death? Mais non. Je tue toutes les personnes qui est pour l'esclavage. Mm-hmm. Bah je suis désolé, si pour toi la valeur importante c'est l'esclavage, bon bah peut-être que je vais te décapiter aussi, mais là c'est un autre problème. Il y a quelques bah non, trucs d'alchimie ici, si tu veux. Toute une classe. En fait, toute une race. Globalement, Colin, c'est pas bien compliqué à comprendre. Elle a envie de tuer tout ce qui. Non. Tout ce qui personne peut. Tout ce qui est disciple de Lolt et disciple de Char. Voilà, donc bon. Bah, oh, un coffre orné de dorure. Dégénéré quoi. Bah bon. Oui, il n'y avait rien d'intéressant. Ok, mais alors, les disciples de Cyric. C'est qui Cyric? Cyric, ça sent. Cyric, ça est sent. Pas très ça sympa non plus. Cyric, ça sent le mec qui a fait une faute de frappe sur son prénom. Prina qui est en train d'avancer tout seul là. Ouais, c'est moi. Tu peux ouvrir ça, s'il te plaît? J'arrive. Et après on me dit, ouais Auron, attends, on va pas ouais, tout seul. Ouais, va pas tout seul, Auron, va pas tout seul. Ah! Je clique sur le plafond, du coup mon perso fait des demi-tours, alors. Mais attends. Croche Cyric, Cyric. Oui, non, mais non. Non, mais Cyric, non, oh. ça brûle, ça. Faut ouais, réussir bah voilà, à faire un 30, Grima. 30? Bon, ok, je m'en occupe. Mais attends, mais je peux le voir, la porte. Je suis sûr ouais que j'ai la clé. T'as la clé? Non. moi j'ai la clé. Voilà. MDR. Stylé, des coffres. Je prends celui de droite. Moi au milieu. Anneau de lure insensible. Le porteur inflige 2 points de dégâts supplémentaires contre les créatures éclairées. Mais c'est pour qui c'est ça? Y'a quelqu'un qui joue avec de la lumière ou pas? Oui. Comment ça? Mais enfin, je peux mettre de la lumière partout moi. Bah je ça t'intéresse peut-être. Le porteur inflige 2 points de dégâts supplémentaires contre les ennemis éclairés, contre les créatures éclairées. Hop, c'est pour toi. T'as eu quoi toi, Auron? Du fer infernal pour Karlak, de la thune, c'est où? Ah, tout c'est des trucs chouettes quoi. J'avais... Des os? C'était des trucs de d'alchimiste peut-être?
Parce que je les vois pas dans mon... dans mon inventaire. Ouais, c'est pas bien grave. Hop. Et les cocos, il est 23h20. Ah déjà. Oui, l'antique oui. Staline. Staline. Pardon, quoi? Ça coule de soi. Excusez-moi. Pardon. C'est l'antéchrist Staline. Pardon. Et des crins de Kirin. Oh, sérieux, du Kirin? Trop cool, du Kirin, on dit peut-être plutôt c'est, du con. C'est, ouais, peut-être. C'est, ça sert à crafter une potion de guérison suprême. Ouais. C'est les licornes japonaises, les Kirin. Avec la foudre et tout là. Ah, et puis voilà, éclat d'os divin. Ah, mais ça, non, ça, déjà ça plein. Sert à crafter une potion de résistance universelle. Ok. Bon, bah dans ce cas-là, en tout cas, je vous propose qu'on s'arrête ici. La suite, c'est par là-bas. Donc il faudra qu'on aille y faire un petit tour. Et puis voilà, on sauvegarde. Et puis on se met sur la gueule et puis on termine le stream. Attendez, je sauvegarde par contre. Voilà.